ever so Vous faites donc rallonger cette robe. Regardez ceci.
Ce sont trois fautes d'orthographe. Ah bah donnez, je vais corriger à la main. Non. Donc après tout, ça vous apprendra. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme des statues de sel? Il est 18h31. Envolez-vous! Et ne me faites pas croire que vous faites une demi-minute supplémentaire. Ça ne prend pas. Non! Vous êtes venus! Allez! Pas trop fatigué? Non! Quant à vous, mademoiselle Alice. Moi? Oui. Si vous continuez à donner des coups de téléphone personnels, je vous bloque à la porte! Allô, Georgette? Vous êtes toujours là? Oh, rien. Ce singe qui est en pétard. Oh, j'ai l'habitude, hein, tu sais. Il aboie, il ne mord pas. Mademoiselle Alice, bonsoir. Oui, alors je finis de te raconter, Luffy. Alors voilà que le mari de la belle-sœur du russe apprend que la mère de la grande blonde. Mademoiselle Alice, bonne soirée, hein? Bonne soirée. Oui, tu me suis, hein? Oui, alors c'est là que le type jaloux décide de tuer l'amant de sa femme. Il s'empare d'un couteau et v'là dans le ventre. Oh, ça finit bien. Ah ben c'est la fin du film. Ah bon, tu es pressé? Quelle heure il est? Bon, c'est 7h20, pourquoi? Ah, bon, mais je te laisse, hein. Qu'est-ce qu'elle est bavarde. Mais voilà toujours toute seule. Ah, moi j'ai l'habitude, hein. Oh, quand même les sales gosses, ils m'ont pas arrangé, hein. Oh, mais c'est quand même gentil, oui. C'est un petit peu ressemblant. Bon, mais je vais le mettre dans mon petit cagibi, ça va me faire un souvenir. Ah, et qui c'est qui va se faire un petit blanc cassé? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, oh c'est vous, maître. Oh, excusez mon coup de téléphone de tout à l'heure, hein. C'est Georgette, une amie à qui je racontais le film hier soir. Vous l'avez vu? Un film policier torturé par les cheveux. Oh, ouais, un type assassiné. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Ça s'appelait les témoins sans sucre. Et pas tant! Ah! Ah non! Oh! Oh! Maître! Oh! Oh! Au secours! Oh! Allô? Allô, c'est le 17? Police secours! Oui, j'ai un mort, monsieur. Un mort à l'étude. Mais non, moi je suis pas étudiante, enfin, à mort à l'étude de Maître Rocher. Oui, l'adresse, 8 rue des Vignes. Le mort, oh, c'est mon patron Maître Rocher. Moi je suis la standardiste. Attendez, je vais me trouver mal. Un instant, ne coupez pas. Allô? Ah oui, oui, ça va mieux, merci. Oui. Oui. Je m'appelle mademoiselle Alice Postic. Oui. Oui, le mort. Il est là, couché. Mais non, monsieur, il ne dort pas. Vous avez déjà vu dormir quelqu'un avec un poignard dans le dos, vous? Oh, quand même, vous commencez à me croire. Oui. Oui. Oui, je suis seule, pourquoi? Hein? Ah? Il faut que je ferme les portes à clé? Mais, vous pensez que l'assassin est encore ici? Oh, mais, alors il va régler mon compte? Je suis au courant, figurez-vous. Aidez-moi, ça se sucre. Venez vite, avant que je ne sois sucrée. Au secours. Mon cœur.
pas de mort. Ouvrez vos yeux. Ah, mais je les ouvre en grand, hein. Mais regardez, il n'y a pas de mort. Ah! Oh mon Dieu, mais... Le mort, il était là. Oh, il est parti. En croisière, sans doute. Je vous assure, que je l'ai vu comme je vous vois, madame l'agent. Là, avec un couteau dans le dos. Ouais. Vous connaissez le tarif quand on appelle police secours sans motif? 2 jours de prison. Sans motif? Parce que vous pensez qu'il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme quand on voit son patron mort assassiné? Oh, vous expliquerez avec l'inspecteur Grandin qu'on envoie du quai des orfèvres. J'ai ma conscience pour moi, madame. Oh ben ça va être foudrage, ils l'ont fait sortir de son lit pour trouver sa fièvre. Des cadavres. Oh, vous en auriez peut-être pas vu 2, 3 ou davantage, non? Oh, je vous ai assez entendu là. Je rentre chez moi. Et pour tout renseignement supplémentaire, à mademoiselle Alice Postic. Même appartement, rez-de-chaussée gauche, bonsoir. Et vous restez là. Oh, on m'y reprendra avoir des cadavres. Oui, mais on n'appelle pas la police sans raison. Tête de fer va s'occuper de vous. Qui c'est sa tête de fer? Le surnom de l'inspecteur. Ah bon? Il a une tête en fer? Ah non, c'est à cause de son caractère. Une autorité de fer. Ah, c'est le plus terrible inspecteur de la PJ. Oh mince alors. Oh, c'est bien ma veine est tombée sur celui-là. Ah oui. Oh, peut-être qu'il va pas venir. Parce que quand on est malade, il faut rester au chaud. Oh, oh, c'est un policier qui prend son métier à cœur. Ah. Et vous savez pourquoi il est malade? Non. Mais parce que hier, ils suivaient 2 faux-monnayeurs, ils se sont battus sur les quais de Seine et ils sont tombés à l'eau. Oh, oh, oh. Et voilà Tipa qui l'ont fait sortir du lit pour qu'il vienne contempler votre mort. Ah mince alors. Bah, il va être drôlement déçu de voir que mon nom s'est envolé, hein. Ouh, mais ça, je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Mais je vois mon patron mort, là, assassiné. Oh, j'appelle. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, hein? Mais il fallait pas le laisser partir. On m'avait pas dit de le garder, hein. Mais comment prévoir qu'avec un couteau enfoncé la vie qu'à la garde, il aura encore envie d'aller prendre l'air? Oh, non. Oh, et vous aimez le blanc cassis? Oh là, où ça va me faire du bien, parce que je sais pas ce qu'on va dire. On a besoin d'un petit remontant, hein. Allez, courage. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah, c'est lui. Moi, je veux pas le voir. Chef, c'est par ici. Ah, cherchez aussi, madame. Bonjour, chef. Toujours fidèle au poste. Comment va votre santé? Très mal. J'ai un mal de tête à me cogner contre les murs. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai 42 fièvres. Je gagne bien de médicaments. Je suis à la mort. Et on me demande de travailler. Dire que j'aurais donné 3 mois de mon salaire pour rester dans mon lit bien chaud. Ah. Bon, j'espère au moins qu'il m'arrive un bel assassinat. Hein? Alors, où est le corps? Envolé. Disparu. Mystère. Comment ça a disparu? Où? Bon, mais écoutez, ça vous allez vous expliquer avec madame qui a appelé police secours, moi. Vous allez m'expliquer? Madame? Elle est où là? Si on sait payer ma tête, ça va changer. Madame! Bonsoir. Alors votre mort, c'est un bon tour? Mais c'est-à-dire que... Silence, madame, vos papiers. Mademoiselle. Je m'en fous. Alors, je souhaite pour vous que vous n'aimiez pas déranger pour rien. Je vais vous faire un petit grog. Vous allez voir, c'est formidable. Non, vos papiers. Ah, tout de suite, monsieur l'agent. Monsieur le préfet. Voilà, docteur. Ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'on se connaît, nous deux. Hein, quoi? Oh, ma parole. Oh, mais que le monde est-il? Riri, Henri Grandin. Oui, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais tu me remets pas.
Alice Postille. Je sais encore lire quand même. Mais Lily, la rue des martyrs, les vieillis. Non, 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 je vois pas ça. Bon, écoutez, mademoiselle, je ne sais comment, Postille, voilà. Tenez, je vous demande de vous asseoir ici et d'arrêter de m'interpeller avec des diminutifs enfantins, s'il vous plaît. Mais l'école communale... Silence ! Bah, écoute-moi. Non, je ne veux pas vous écouter. Oh, bah, quel sale caractère, hein. On t'a pas changé. Toujours aussi têtu. Pas étonnant qu'on t'ait baptisé tête de fer. Comment ça, on l'a baptisé tête de fer? Qui vous a dit ça? Ça va, parfait. Nous réglerons ça aussi plus tard. Bon, écoutez, mademoiselle, je ne sais pas si nous sommes déjà rencontrés dans une crèche municipale, mais pour le moment, je vous demande de garder un petit peu vos distances. Mais oui, mais et de fermer pas... quelques instants votre bec, si c'est possible. Oh, Simona, allez, racontez-moi. Mais l'agent Simona n'a rien à raconter, elle ne sait rien. Bonsoir. Bon, écoute, voilà. Premièrement, je vois, comme je te vois, mon patron mort assassiné. Alors deuxièmement, ben, j'appelle police secours. Troisièmement, moi, je m'évanouis. Quatrièmement, je reviens à moi. Et là, le corps, disparu, envolé mystère. Et cinquièmement, ah ben il n'y a pas cinquièmement. Mais c'est tout. C'est tout? Oui. Mais comment vous expliquez cette disparition? Je n'explique pas, hein. Je la constate. Non, vous n'avez pas à constater, les constatations c'est pour moi. Hein. Oh, bon oui, bien sûr, hein. Toujours le travail le plus facile au même. Oh, écoute, écoute Riri, tu es payé pour trouver ce mort, alors trouve-le. En cas que c'est un pot, hein. Non. Du calme, du calme. Bon, Simona, au lieu de rester planté là, fouillez toutes les pièces de l'étude. Oui, oui, chef, oui, chef. Écoutez, mademoiselle, je veux bien admettre une seconde votre déclaration. Ah. On verra. Montrez-moi où était le corps, si corps il y avait. Mais si, hein? Il était là, là, sur la table. Eh oui, mais il n'y a rien sur la table. Mais il était. Eh bien, il n'y est plus. Voilà. Regarde, Riri, montre-moi ta main, du sang, là. Oh, merde, oh, tu le vois? Oh, ça va. Mais assis, dans quel état tu te mets, Riri? Oh, mon Dieu. Je vais te préparer une camomille, hein. Les retrouvailles, ça s'arrose. Chef, y a personne. Je vais voir à côté. Ah tiens. Chef, il n'y a personne, non? Mais oui, mais je vous l'avais dit. Tout le monde était parti sauf Maître Rocher. Dites-moi, quelqu'un a-t-il pu entrer? Oh non, je pense pas. Hein. Tu sais, de mon standard, je tourne parfois le doigt à la porte. Ah tiens, il faut téléphoner au domicile de votre patron. Oh, quelle bonne idée! Ah oui, c'est juste à côté, 8 rue Mozart. Parce que si votre patron en ce moment même regarde la télé les pieds tranquillement dans ses pantoufles, craque, moi je vais faire coffrer à Sainte-Anne, moi. Oh, Sainte-Anne, ouais. J'ai le toc-toc. Allô? Allô, Madame Rocher? Oui, oh, c'est encore Mademoiselle Postic. Excusez-moi de vous déranger, hein. Je pense que vous êtes en train de vous faire belle pour le gala de l'opéra. Hein? Et qu'est-ce qu'on joue? Carmen? Oh, j'adore! La 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 la. Oui, Madame Rocher, est-ce que votre mari est rentré? Non, tu vois, il n'est pas encore rentré. Et savez-vous où il est? Elle ne sait pas où il est. À qui je parle? À un inspecteur. Oh, Madame Rocher, il y a comme qui dirait un léger ennui. Votre mari... Oh, je ne peux pas lui annoncer ça par téléphone, quand même. Occupe-t'en. Madame Rocher, je vous passe mon camarade Grandin. Et au plaisir. Camarade Grandin. Oui, bonjour. Bonjour, Madame l'inspecteur Grandin, la police judiciaire. Oui, madame, il se passe sans doute quelque chose de bizarre à l'étude de votre mari. Mais... Et c'est assez compliqué et délicat, ouais. Et je...
Ah bah oui, oui, j'avoue que si cela ne vous dérangeait pas de venir à l'étude, oui, c'est ça, en voisin, en effet, c'est ça. Mais tout de suite, les hommages, madame. Bon, elle arrive et on s'expliquera mieux de vive voix. Pauvre femme. Bon. Oh, je vais lui préparer un petit remontant. Ah oui. Bon alors, allons-y, par le détail. Donnez-moi la liste des gens du personnel, leur domicile, leurs horaires, leur point de chute, enfin tout. Allez, 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 vite, j'écoute. Et ta voix. Tu vas voir ta calomie quand c'est chaud, hein. Voilà, Philippe, qu'est-ce que c'est? Avec deux cachets de bison fil du Benton, oh, tu vas voir si t'es pas de porc. C'est belge. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est chaud. Il faut ce qu'il faut, hein. Oh. Chef, il y a personne. Simona, vous allez prendre contact avec tous les gens de l'étude et ordonnez-leur de revenir ici, urgent. Je peux téléphoner tranquillement. Oui, oui, il y a un poste dans le bureau de Maître Rocher. C'est chaud. Non, mais c'est mauvais. J'ai pas les numéros de téléphone. Attendez, voilà. Tout est là-dedans. Merci. Oh, c'est mauvais. Oh, ce qu'il te faut, mon petit poulet, c'est transpirer, là. Tu as de chaud. Mais enfin, asseyez-vous, vous me donnez le vertige. Asseyez-vous. Maintenant, je veux que vous me racontiez tout. Tout ce qui est arrivé depuis le commencement. Depuis le commencement? Oui. Allez. Bon, mais alors, tu te souviens quand tu as déménagé de la rue des Martyrs pour le square d'enfer? Mais je vous demande pas de me raconter ma jeunesse. Je me fiche de vous avoir connu ou pas connu, pourquoi quoi, mademoiselle. C'est pas gentil, ça rirait de pas vouloir te souvenir de moi. Moi, tu sais, chaque fois que j'ai vu ta photo dans les journaux, oh, j'étais fière. Je disais à tout le monde, c'est un copain d'enfance. Hein. Autrefois, ma maman faisait des robes à sa maman. Et puis, on allait jouer ensemble. Attendez. Vous êtes la fille de Marguerite Postic, la couturière. Oh, un peu, oui. Oh, bah ça y est, j'y suis. Oh, bah pas trop tôt. Bah oui. Ah oui, toute ma jeunesse dans Montmartre. Ah oui. Lily Postic, c'est ça. Bah, vous n'avez pas changé d'expression. Pas ça non plus, hein. Vous aviez de grandes nattes blondes, hein. Oui. Je les ai coupées. Et toi, t'avais des cheveux. Je les ai perdus en route. Oh, si je pensais. Et moi donc. Et dire que pour nous retrouver, il aura fallu un cadavre. Bah tiens, parlons-en de votre cadavre, hein. Il s'est évaporé. Ou t'inquiète, il peut pas être allé bien loin avec un couteau entre les omoplates. Dites donc, par hasard, quelqu'un n'aurait-il pas voulu vous faire une farce? Ah non, non, ce qui m'interdit de penser que c'est une farce, c'est la présence de Maître Rocher, tu sais. Je le vois pas en train de faire semblant de... Oh! Lui, la rigolade, il se croisait pas souvent dans l'escalier. Hein. Quand vous avez découvert le corps, quelle heure était-il? Oh, 6h30, 7h20. Le crime aurait eu lieu quelques secondes avant? Oui, dans ces eaux-là. Hein. Quel emploi tenez-vous ici, mademoiselle Postic? Standard, téléphone et renseignement. Oh, tu sais, ça fait 30 ans que je suis dans la maison, hein. J'ai bien connu le prédécesseur de Maître Rocher, Maître Galifort. Que même, si j'avais voulu aujourd'hui, moi je serais notairesse. Et veuve. Célibataire endurci, mademoiselle Alice. Oui. Ouais. Et toi, t'es mariée? Oui. Nous parlerons de ça plus tard, s'il vous plaît. Oui, quelle est votre adresse, mademoiselle Postic? Appelle-moi Lily. Non, parce que je ne veux pas vous m'appeler Riri. D'accord, Riri. Votre adresse, ça? Même adresse, même immeuble, rez-de-chaussée gauche. Auquel terme étiez-vous avec votre patron? Oh, bon, pas mal, hein. Enfin, comme avec un patron. Ça veut dire quoi? Tu sais, Riri. Inspecteur. Inspecteur. Tu vas trouver ici que des gens qui le haïssaient. Vous avez compris? Oh, non, pas moi. Vu mon
d'ancienneté dans la maison, avec moi qui est plutôt diplomate. Oula. Chef, alors, j'ai eu Mademoiselle Brissa. Oh, ben, elle semble bouleversée, hein. Alors, quant à Mademoiselle Renoir, eh ben, elle n'est pas encore entrée chez elle. Et puis chez Monsieur de Charence, eh ben, ça ne répond pas. D'accord. Oh, ils font souvent une partie de baby-foot au tabac de la nuit. C'est juste en face du métro, là. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? Mais bien sûr! Oh! Mais surtout, ne racontez pas trop les choses. Hein? Bon, d'accord. Ah, tiens, aussi, Simonin, prenez ce tapis de table là, derrière vous et déposez-le au labo pour analyse. D'accord. Hein? Ok. Ça va marcher, ça va. Voilà. Voilà. Regarde, il faut que je reste au chaud. Non. Sortez. Mais j'ai plus chez vous. Allez, fermez cette porte. Riri me couvre une bronchite. Écoutez, mademoiselle Postic, j'essaie d'être patient avec vous en raison du fait que nous avons été des relations enfantines. Oh, enfantines et brunelles, hein. Mais tu te souviens pas qu'après ton service militaire, on allait tous les soirs danser, les samedis soirs. Oh, que même pour le bal du 14 juillet. Tu te souviens pour le bal du 14 juillet? Oh, à ce soir, il y a eu de la bagarre. On a tous fini dans le panier à salade avec des poulets. Si nous égardons le souvenir, nous en sortirons jamais. Passez-vous. Je vous demande maintenant de répondre clairement et brièvement à mes questions. C'est clair? Bon, alors allons-y. On va faire un peu l'inventaire. Alors, monsieur Logan, qui est-ce? Premier clerc, 60 ans, grincheux et timide, hein, vieux garçon. Actuellement, il est à Marseille. Est certain? Oui, il m'a téléphoné cet après-midi de Marseille. On vérifiera. Monsieur de Charence. Deuxième clerc, beau gosse, hein, 45 ans, toujours une pointe d'humour. Enfin, le chéri de ses dames. Mademoiselle Brissard. Secrétaire particulière de Maître Rocher. Particulière? Oh non, c'est pas ce que tu espères. La Brissard, c'est du genre sérieux. Oh, papa colonel, études secondaires. Mmh. Elle pourrait pas être mal, hein. Mmh. Mais c'est pas sa beauté. Quel âge? Manque de style. Quel âge? À 50. Mmh. Bon, sans être méchante, hein. Elle en paraît plutôt 52. Passons. Mademoiselle Brissard, vie privée? Néant le vide. Enfin, amoureuse platonique de Maître Rocher. Ah, et lui? Bon, lui, c'est pas son genre, hein. Son style, c'est plutôt les poulets. Style Virginie. Virginie Renoir, c'est ça? Oui. Emploi? M'a arrivé il y a 6 mois, dactylo. Alors, cheveux courts, jupe courte, intelligence courte. Et blanc. Une femme, hein. Oui, bon. Donc si je comprends bien, ils sont tous amoureux les uns des autres ici, sans grand espoir. Oui, c'est ça. Ils se courent tous après. Donc si je comprends bien, nous avons Mademoiselle Brissard qui est amoureuse de Maître Rocher, qui est peut-être amoureux de Mademoiselle Virginie Renoir, qui a peut-être le meilleur de Monsieur de Charence, qui... au fait, là, le don juan de l'étude, de qui est-il amoureux? Oh, faut vraiment que je te le dise. Absolument, c'est un ordre. Ben, il est amoureux. Allez. De moi. Mais non, mais n'écris pas ça dans ton calepin. C'était pour rire. Mais enfin, je ne suis pas ici pour rire. Mais pour savoir qui fréquente Monsieur de Charence. Mais je crois que Monsieur de Charence est très très ami avec... Avec? Je pense que Monsieur de Charence est le petit ami de la femme du patron. Enfin, j'ai des soupçons. Ah, bravo, merci. Bon, est-ce que vous pouvez me parler d'elle, son prénom? Clara. Oh, très belle femme, hein. Grande bourgeoisie d'Auteuil. Un peu snob. Mais elle va faire une veuve sublime. Et toujours très polie. Bonsoir, mademoiselle Alice. Bonsoir. Comment allez-vous, mademoiselle Alice Postic? Bon, et sinon, quoi d'autre à me raconter dans la maison? Rien, je t'ai tout dit. Bon, ben, ça me fait déjà 5 bons suspects. Le clerc, les 2 secrétaires, la veuve. Bon,
Non, ça fait 4. Avec vous, ça fait 5. Regarde, j'ai vu dans quel état tu venais. Allons, oh là 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 là. C'est plus tête de fer, on va t'appeler là. C'est la dame au camélia. Tiens, qu'est-ce qu'il fait beau. Regarde. Sur cette boule de gomme, tu vas voir, c'est épatant. C'est suisse. Merci. Oh, ben, de rien. Bon, appelez-moi la PJ. Elle a un goût horrible, votre boule de gomme. Riri, crache, je me suis trompé de paquet. C'est de la naphtaline. C'est pour les filles. La biche. La biche. Allô, APJ, c'est Grandin. Comment ça va? Très mal. Dis-moi. Tu vas me trouver si tu as pas un petit pédigré sur les citoyens suivants. Je t'envoie la liste. Aussi autre chose. Je t'ai envoyé un tapis de table à analyser, c'est probablement du sang. Ah aussi, dernier point, ça c'est important aussi. Organise une ronde d'empathie. On n'a pas retrouvé le cadavre de Maître Rocher, l'assassin a probablement enlevé la victime. Ouais, pour effacer ses traces, ouais, c'est bien possible. Bon, écoute, c'est toi du nouveau. Tu me téléphones au commissariat de la muette. Et moi, je continue de m'occuper de celle qui, hélas, elle ne l'est pas, muette. Oh, ingrat que tu es, Riri. Ah, moi, je t'ai dit tout ce que je sais pour t'aider. Oh. Et toi, tu oses me traiter de bavarde. Oh. Ben, tu vois, à la lâche, là, j'avais quelque chose de très, très important à te dire. Hein. Mais tant pis pour toi. Je te le dirai pas. Mais attention, mademoiselle Postique. Mais dissimulation d'indices, refus d'aider la justice, ça va chercher dans les 3 mois de prison, ça. Bon, allez. Mademoiselle Alice, là, il faut que vous m'aidiez. N'est-ce pas? En souvenir du bal du 14 juillet. Allez, conduisons cette enquête tous les deux. Hein? Bon, allez, Lily. Allez, dis-moi ton secret. Oh, mais quand tu m'appelles Lily, que tu me tutoies, moi je fonds. Je suis bête alors. Regarde bien de tous tes yeux, hein. De tous tes yeux. Mais enfin, où allez-vous? Oh, mais enfin, mademoiselle Postique. À sous prétexte que je vous ai tutoyé par mes gardes, profitez pour vous prendre sur moi un avantage. Mais où est-elle passée? N'oubliez pas que je suis un policier impitoyable, irascible et malade. Oh là là, fin de faire. Oh, oh. C'est malin. C'est stupide que vous de terre. Vous mériteriez... Mais par où êtes-vous passé? Mais c'est ça l'astuce. Une petite porte de couleur d'immeuble qui donne directement dans le bureau de Maître Rocher. Et vous pouviez pas me le dire plus tôt? Non. Pourquoi? Pour te faire une surprise. Mais là. Mais suis-toi. Dans le cas, il y a quelqu'un. Bonsoir, mademoiselle Alice. Oh, bonsoir, madame Rocher. Oh, que vous êtes belle. Merci. Et bien, que se passe-t-il? Oh. Un crime. Oh. C'est la victime? Oh non, non. Lui, c'est l'inspecteur. Oh. Inspecteur Grandin, policier. Achou! Oh. Excusez-le, madame, il a la grippe. Écoute, de toute façon, pour lui annoncer la chose, il faut le doigter d'une femme. Hein? Bon. Eh bien, je vous écoute. Madame, on a assassiné votre mari. Quoi? Hein, qu'est-ce que vous parliez? Oh. Eh bien, bravo pour le doigter. Oh. C'est pas possible! Une petite tasse de café, peut-être. Ah non, 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 merci, non, pas de café. Je veux voir mon mari, où est-il? Mais justement, c'est ça le problème, madame Rocher. Le temps que je m'évanouisse, et le corps, voilà, pouf, disparu, envolé, mystère. Mais c'est épouvantable. Ah oui. Je vous demanderai simplement, madame. Mon regard, tu n'es pas en état. Allez, écoute.
tisane. Oui, bah avec de la naphtaline, non. Madame Rocher, voilà, étant intéressée à l'affaire, et étant témoin numéro un, je vais vous poser qu'une seule question. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Non, c'est moi qui pose des questions ici. Enfin... Jalousie professionnelle, hein. Madame, quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Quel culot! Mais il m'a volé ma question, hein. Asseyez-vous. Bon. Tenez, finissez votre... Mais non, c'est une écharpe pour Noël. Pour descendre les poubelles, oui. Bon. Madame, dans quel rapport viviez-vous avec votre mari? Des rapports amicaux, sans histoire, un peu lointains. Mon mari était assez vif de caractère, peu sentimental. Depuis quelque temps, nous ne nous posions plus de questions sur nos emplois du temps respectifs. Ça simplifiait la vie. Et pourquoi cette robe du soir? Nous devions aller au gala de l'opéra. Ce soir, j'attendais mon mari. Est-ce que votre mari est rentré pour déjeuner? Je ne sais pas, il faudrait demander à la bonne. Moi, je n'étais pas chez moi à l'heure du déjeuner. Je faisais des courses, le coiffeur. Connaissiez-vous des ennemis à votre mari? Il n'avait que ça. Expliquez-moi, madame Le Rocher. C'est vrai, mon mari avait énormément d'ennemis. Son humeur belliqueuse, son goût de la chicane, c'est insupportable. Le témoignage de mademoiselle Postic laisse supposer que le crime aurait eu lieu entre 18h35 et 40. Où étiez-vous à cette heure-là? Mais j'étais chez moi. D'ailleurs, mademoiselle Alice m'a téléphoné pour m'informer que mon mari sera en retard. Est-ce vrai, mademoiselle Alice, que vous avez téléphoné à madame Rocher? Je tricotais. À quelle heure avez-vous téléphoné à madame Rocher? Nous tricotons. Il était exactement 18h25. Je me rappelle très bien. Est-ce exact, mademoiselle Postic? Il ou elle tricote. Bon, de toute façon, vous habitez très près d'ici, n'est-ce pas? Oui, avenue Mozart. Et combien de minutes vous faut-il pour faire le trajet entre votre domicile jusqu'à l'étude de votre mari? Je ne sais pas, moi, un quart d'heure, peut-être. Bon, peut-être 10 minutes. Ah. Et en marchant d'un bon pas, 4 minutes suffisent, non? Je n'ai jamais essayé de battre un record, montre en main. Alors maintenant, si vous voulez penser ou insinuer que j'ai couru jusqu'ici pour venir assassiner madame, mon mari... Madame, je cherche, je tâtonne. Donc, entre 18h25, coup de fil de mademoiselle Postic, et 18h40, heure présumée du crime, que faisiez-vous? Vous receviez des amis, vous discutiez avec votre bonne? J'étais chez moi, dans ma chambre, à me relaxer. Seule? Oui. Dommage. J'avais un masque de beauté sur le visage. Il n'y a pas de quoi donner un cocktail. Certes, madame, certes. Tenez, dites-moi, connaissez-vous l'existence de cette petite porte qui, du couloir, donne directement dans le bureau de votre mari? Bien sûr, comme tout le monde. Comment se fait-il qu'il y ait une porte à cet endroit? Alors, c'est-à-dire autrefois, le prédécesseur de mon mari, maître Galifort, a agrandi l'étude par l'achat de l'appartement contigu, qui d'ailleurs est maintenant le bureau notarial, et la porte de l'ancien logement est restée, voilà tout. Et quel est l'usage de cette porte? Mon mari faisait entrer et sortir des gens, des clients qui ne souhaitaient pas en croiser d'autres. Quelquefois, dans les successions, les divorces, oh, quelle complication! Et comment cette porte ferme-t-elle? À clé, voyons. Et où est cette clé? Un clou derrière la porte, je crois, dans le bureau de mon mari. Bon. Oh. Bougez pas, je vais voir. Et je vous demande à toutes les deux de garder le silence. N'est-ce pas? C'est épouvantable, n'est-ce pas? Ah oui, garder le silence, c'est épouvantable. Mademoiselle Alice, j'aimerais... Enfin, si c'est possible, que vous ne parliez pas à l'inspecteur de la stupide dispute que nous avons eue, mon mari et moi, ici, il y a quelques jours, en votre présence. C'est bizarre, j'ai trouvé la clé, mais je n'arrive pas à ouvrir. Attendez. Mon mari, avec son éternelle jalousie injustifiée, bon, presque injustifiée, puis-je compter sur votre discrétion?
discrétion. Oh oui, madame Rocher, bien sûr. Entre femmes, elles vont nous soutenir. Ah oui. Ah ben ça, c'est... Voilà du nouveau. Je n'arrivais pas à ouvrir avec la clé officielle, car il y avait cette seconde clé engagée dans la serrure du côté du couloir. Deux clés. Alors, on peut bien servir cette clé toute nouvelle. Donc il est évident que quelqu'un a pénétré dans le bureau de Maître Rocher par le couloir. Une clé toute neuve. L'assassin l'a peut-être oublié en partant vite. À moins qu'il l'ait volontairement laissé afin de nous égarer sur une fausse piste. Oh, mais ce n'est pas vrai. Mais ce drame est épouvantable, David me tuera. Mais que s'est-il passé? On m'a parlé d'assassinat. Mais dites-moi ce qui se passe. Où est Maître Rocher? Mais pour lui, je vais faire un crisonnerre. Bon, ben calmez-vous, asseyez-vous. Je suis l'inspecteur Gourdin, police judiciaire. J'en suis pour premiers interrogatoires. Oui. Quand avez-vous quitté l'étude? Bah 6h30 comme tout le monde. Mais racontez-moi tout, je veux tout savoir, j'aurai du courage. On se calme, mademoiselle Renoir. On se calme. Moi, Renoir? Ah non, je suis mademoiselle Suzanne Brissard. Pardon. Mais ne me confondez pas avec cette petite grue. Ah, mademoiselle Renoir est une petite grue. Oui, une intrigante. Et je sais des choses sur elle. Et je vais vous les dire, je vais vous le dire. Et j'irai tout sur tout le monde. Tout. Je mangerai Maître Rocher. Mais vous voulez peut-être boire quelque chose, un petit verre, non, quelque chose? Non, je ne bois pas, moi, je ne suis pas une ivrogne, moi. Qui? Moi, je suis une ivrogne? Oh, regardez, elle fait peur. Et moi, je suis gardienne, vous n'aurez pas bien mon cœur. Espèce de punaise de sacrifice, là. Oh, langue de vipère, empoisonneux. Oh, sort très oh, non, 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 bon, est-ce que j'ai fourré mon carnet? Ah, il est là. Oh! Oh! Enfin, tout de même. Vous étiez assis sur mon carnet! Mais qu'est-ce qu'elle croit? Ah, tu es fait mon riri! Non! Ah, bah, tant pis! Bon, mademoiselle Brissard. Étiez-vous en bon terme avec Maître Rocher? Oh, mais merveilleux, excellent, excellent. Mais je défie quiconque de dire le contraire. Un homme charmant, intelligent. Mais je ne peux pas croire que... Mais où est son corps? On me cache quelque chose. Oui, mais bon, c'est ça. Nous reparlerons de cela plus tard. Où étiez-vous exactement à 18h35? Mais dans la rue, comme tous les jours, je rentre toujours à pied. Le docteur me l'a conseillé, Pauline. J'habite de l'autre côté de la Seine, là-bas, qui est Grenelle. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un en route? Mais personne, je parle jamais aux gens dans la rue. Il est dommage qu'un homme ne vous ait pas abordé. Il aurait été un parfait alibi. Et un parfait buffle. Connaissiez-vous des ennemis, Maître Rocher? Oh oui, hélas. Les minables sont légions. Tout le monde haïssait sa puissante personnalité. Maître Rocher rimait leurs clauses, imbécile. Ça ne se pardonne pas. Il était entouré de rapaces. Oh, un homme si bon, si juste. Oh, pour mon anniversaire. Il m'avait offert une boîte de chocolat. Bon, à votre avis, mademoiselle Brissard, qui pouvait en vouloir à Maître Rocher au point d'en arriver à... Mais pas besoin de chercher bien loin à qui profite le crime. Ah ben merci. À votre service. Enfin, qui vous autorise à... Mais vous n'avez jamais aimé votre mari. Eh bien, vous l'aurez aimé pour deux, mademoiselle. Oh, un ménage en ruine. Madame Rocher, un amant. Oh, et Vlan, premier round, 1-0. Mais comment osez-vous dire une chose aussi invraisemblable? Bon, eh bien, niez, madame. Mais je nie, de toutes mes forces. Oh, mais c'est une ignoble calomnie. Mademoiselle Brissard a toujours été amoureuse de mon mari. C'est un secret pour personne. Il m'en a parlé 100 fois. Ça a toujours été un des plus grands sujets de rigolade entre nous. Dieu sait que c'était rare, la rigolade, hein. Une boîte de chocolat. Excusez-moi de vous décevoir, mais alors, il s'agit d'une boîte de chocolat absolument infecte qu'une cousine éloignée nous envoie annuellement de sa province, alors bon, plutôt que de les jeter. Et blanc, ma chemise, Bon, on vous a demandé quelque chose, vous? Moi, je compte les points. Oh. Bon, mademoiselle Brissard, il faut que vous alliez jusqu'au bout de votre déclaration. Et me disiez le nom de l'amant de madame Rocher. Eh oui. Allez. Ni. Ça s'écrit comment, ça, monsieur Logan? Oh, c'est bien débris. Elle est folle, elle est complètement folle.
parole. Mais non, monsieur de Charance, monsieur de Charance. C'est une certitude ou une supposition? Mais une certitude. Et j'irai tout au tribunal et tout le monde aura son paquet. De quoi elle dit ça en me regardant, là? Parce que vous détestiez Maître Rocher, vous, plus que les autres. Moi? Oh, vous en avez pas la tête. Le mois dernier, le patron lui a refusé d'augmenter son salaire. Et la petite crise, ils se sont dit des horreurs. Menteuse! Oh, et où étiez-vous à 18h35, vous? Moi, ici. Avec qui? Avec le mort. Oh, elle s'est trahie, c'est elle. Oh, mais c'est elle, c'est elle. Combien de rues? Tu vas quand même pas croire que j'ai... assassiné mon patron, puis j'ai téléphoné à la police secours et je me suis évanouie tout ça pour m'amuser. Hein? Ben on a déjà vu ça. Dans l'affaire de la rue du Louvre, le témoin numéro 1, c'était l'assassin. Alors oh, oh non. Oh, c'est pas vrai, Lily. Toi, un ami de 40 ans, tu restes le long. C'est soupçonné. Maître Rocher, t'es un homme si merveilleux. Mais quel goût, quel goût. Eh ben, c'est yes, les grandes sont. Chef, là j'ai trouvé monsieur de Charance au café et puis j'ai laissé un message pour la demoiselle Renoir qui devait les rejoindre. C'est bien. Oh. Allez. Mais que signifie cet agent médical être Rocher? Oui. Alors c'est vrai? Oui. Clara, vous ici? Oui. Et vous monsieur, qui êtes-vous? Inspecteur Grandin, de la police judiciaire. J'ai une question et une réponse, qu'une seule. Qu'avez-vous fait depuis la minute où vous avez quitté cette étude jusqu'à la minute où mon agent vous a trouvé au café? Moi? Rien. J'ai simplement rangé la roue de secours dans le coffre arrière de ma voiture. Puis en flânant, je suis allé chercher des cigarettes au café. Le temps de me laver les mains, de prendre un apéritif. Vous lavez les mains? Oui, mon pneu. J'avais crevé le matin en arrivant. Avez-vous des témoins? Ça, tout le café. Non, je veux dire quand vous étiez à ranger votre pneu de voiture. Non, personne. Ah si, pardon, un gamin. Un gamin. Ah, chut. Monsieur de Charance, depuis combien de temps travaillez-vous ici? Cela doit faire 2 ans et demi, n'est-ce pas? Mais oui, vous êtes rentré le jour de la Sainte Alice. Eh, vous n'oubliez jamais les fleurs. Vous semblez bien sympathique à toutes ces dames. À toutes? Il semblerait que non. Monsieur de Charance, estimiez-vous votre patron? Dois-je être sincère? Absolument. Ah. Eh bien, pour tout vous dire, je le détestais. Enfin quoi, tout le monde ici le détestait. Ah. Pardon, Madame Rocher, je parlais des gens du bureau, bien sûr. Notez, inspecteur, que Madame Rocher n'est pas incluse dans mes déclarations. C'était une haine cordiale, bien franche et surtout générale. Moi, je détestais. Vous? Mais vous, vos sentiments sont un mélange de colère amoureuse et de refoulement maternel. C'est ce qu'on appelle un cocktail dynamite. Mais vous êtes des misérables. Pourquoi refusez-vous de croire en un sentiment noble que j'aurais eu à l'égard de Maître Rocher? Mais parce que c'est invraisemblable. Personne n'y croit. Oh. Maître Rocher inspirant un sentiment noble. Laissez-moi rire. Mais ma parole vous l'a ici à mort. À mort? Non, pas à mort, mais... mais cordialement. Et par accident. Et l'auriez-vous tué par accident? Non. Je pense, hélas, que ce meurtre est l'œuvre de son client de 18h30. Ah, vous l'ignoriez sans doute, mais Maître Rocher attendait une visite. Le nom de ce visiteur? Ah, ça, je l'ignore. Oh, attendez, moi, je l'ai écrit sur le carnet de téléphone. Hein. Ah, voilà. Monsieur Van Berg. Ah, au nom de sans doute. Connaissez-vous ce Van Berg? Oh, non. Un drôle d'accent. Moi, bon, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. J'ai même cru d'abord à une farce. Vos accents, faux nom? Ah oui, sans doute. Bonjour, j'ose espérer, monsieur de Charance, contre vous et maître Rocher, il n'y avait pas de différent d'ordre professionnel? Non, aucun. Je demande d'ailleurs expressément que mes livres et ma comptabilité soient examinés par des experts de la police judiciaire. Ouais. Je note. Pardonnez-moi, sur un autre plan... on dit que vous êtes un ami très personnel de Madame Rocher. Très personnel, dites-vous? Non. Vraiment? Vraiment. Mais je pense savoir d'où vient la flèche. Parfaitement. Mademoiselle Brissard a tort de croire, et encore plus de claironner, que j'entretiens une liaison avec Madame Rocher. Ah, cela m'aurait été agréable, il est vrai, car je l'aime. Mais cela n'est pas, hélas. N'en déplaise à la commère de l'étude que je pourrais attaquer en diffamation. Oh, mais je ne parle jamais sans preuve.
Ah bah tiens, bravo, des preuves, je suis preneur. Oui, Maître Rocher avait la preuve que son clerc était l'amant de sa femme. Il me l'a dit. Mais... Et vous l'avez cru? Bah, il aurait dit cela pour exciter votre imagination. Tenez, à moi par exemple, il me racontait ses folles nuits amoureuses dans Pigalle. Oh, nuit imaginaire, je le parierais. Oh, ne pariez pas, mon père Brier. Mon mari a toujours été un affreux libertin. Oui, 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 un affreux libertin. Libertin, mensonge et encore mensonge. Maître Rocher a fait suivre sa femme par une agence de police privée. Il me l'a dit. Quoi? Et je me suis même... Je vous assure que je me suis bien douté qu'il se passait quelque chose avant le rapport, le rapport qu'il y avait à la fin. Oh. Ainsi, Maître Rocher faisait suivre sa femme. Et personne ici ne le savait. Oh, pardon, hein. Moi, je le savais. Oh, pas tout de même. Évidemment. Et vous ne le disiez pas. Pour me faire traiter de bavarde. Merci. Moi, je vous dis de vous taire quand vous parlez pour ne rien dire. Et par contre, je vous ordonne de parler quand vous vous taisez, au lieu de dire quelque chose qu'il faut dire et que vous taisez. Oh, Riri, ta phrase est un compliqué. Ah, là, j'ai rien compris. Moi, seulement ce que je peux vous dire, c'est comment j'ai su que Maître Rocher avait demandé à un détective privé de suivre sa femme. Eh bien, racontez-nous ça! Allez-y, regardez, votre auditoire est à vos pieds. Allez-y, c'est votre heure de gloire. Régalez-vous! Bon, ça va, Riri, hein? Chacun son tour. Ben voilà! Il y a 8 jours, un type est entré. Il voulait parler à Maître Rocher, il n'a pas voulu dire son nom. Oh, ben alors, à la façon qu'il avait de ne pas me regarder, je me suis dit, ça, c'est du poulet privé. Maître Rocher l'a reçu dans le hall, ils ont échangé des mots à voix basse. Je n'écoutais pas, hein. Mais ce que semblait dire le type ne paraissait pas faire plaisir à mon patron. Puis il est parti en lui donnant une feuille. Là, Maître Rocher l'a lu. J'observais du coin de l'œil. Il est venu tout rouge comme un coquelicot. Il a froissé le papier et l'a jeté dans la corbeille. Il est rentré dans son bureau. Voilà. La suite. La suite. Le type lui rendait compte de son rapport, hein, et avait relaté l'emploi du temps de Madame Rocher sur le feuille dactylographiée. Ah oui. Et comment savez-vous que cette feuille était dactylographiée? Allez, vous vous êtes trahi. Vous avez ramassé cette lettre et vous l'avez lue, c'est clair. Oh mais non, Rurima, pour qui me prends-tu? Et pour quelqu'un qui veut aider la justice à triompher. Et accessoirement aussi pour quelqu'un qui ne veut pas faire un mois de prison pour dissimulation d'indices. Oh, mais allez, on me menace toujours prison. Oh, c'est une manie, hein. Alors, que disait cette lettre? Ben, cette lettre disait que Madame Rocher avait fait ça et ça. Rien d'extraordinaire. Ah, hein. Voilà. Sauf qu'elle est allée 3 fois dans la même semaine, à l'heure du déjeuner, 19 avenue des Gobelins. Là. Des Gobelins. Là. Des Gobelins. Et lequel de vous habite au 19 avenue des Gobelins? Moi. Quelle nouvelle! L'assassin, c'est lui! Et c'est lui! Du calme, mademoiselle Brissard! Du calme, essayez-vous! Oui. Est-il vrai, madame Rocher, que vous êtes rendue plusieurs fois pour la semaine dernière au domicile de monsieur Le Charron? Oui, c'est exact. Mais la déduction que vous allez faire est entièrement fausse. Je vous en prie, éclairez-moi. Eh bien, c'est vrai, je suis allée chez monsieur de Charance, mais je n'ai absolument pas vu monsieur de Charance. D'accord. Donc vous me dites que vous avez été chez monsieur de Charance, mais pour rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ça. Et qui? Qui? Une vieille amie de catéchisme, que mon mari détestait et qu'il m'interdisait de voir. Un enfantillage, rien de plus. Mensonge. Bon. Et votre mari vous a-t-il fait part de ses soupçons? Et surtout de l'enquête à propos de votre emploi du temps? Mais absolument pas. Et vous, monsieur de Charance? Oui. À moi, un jour, il m'a fait une scène. Il m'a accusé d'être l'amant de sa femme. Et vous lui avez dit la vérité, que vous ne faisiez que le logeur? Non. Je lui ai simplement dit que sa femme avait chargé de lui dégoter un petit secrétaire du 18e siècle. Ah, que voulez-vous, je parcours les puces, c'est ma passion. Un cadeau dont elle voulait lui faire la surprise. Vous a-t-il cru? Non, je ne pense pas. Maître Rocher est peut-être méchant, mais il n'est pas bête. Il ne vous a pas mis la porte? Oh, vous savez, Maître Rocher est avant tout un homme pratique. Je lui étais très utile et mon travail lui convenait. Les affaires avant tout, disait-il.
Je me suis même demandé si le fait que sa femme ait peut-être un amant ne l'arrangeait pas. Quoi? Vous osez dire ces horreurs? Vois qu'il a pris le métier. Vois qu'il a prêté de l'argent à vous qu'il considérait comme son successeur. Il me le disait, oui, c'est vrai. Mais je ne l'ai jamais cru. Heureusement pour moi. Monsieur le Charence, avez-vous déjà rencontré la personne que Mme Rocher recevait chez vous? Non, jamais. Je ne sais pas qui c'est. Je laissais simplement ma clé dans la boîte aux lettres et la retrouvais là le soir en rentrant. C'est tout. Madame Rocher, je vais être donc obligée de vous demander le nom de votre ami de jeunesse. Je refuse. Oh, bonsoir. Mais vous savez, madame, avec la justice, il ne faut pas lutter. Tout se sait toujours. Tout est écrit dans notre grand livre. Et c'est aussi écrit dans le grand livre que le sang du 14 juillet a fini dans le panier à salade. Oh, on vous a demandé quelque chose. Chef, j'ai trouvé la mademoiselle en noir. Hein. Il a bien remis le message au cas de la mienne. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une farce? Non. Non, c'est un assassinat. Inspecteur, prendre un police judiciaire. Maître Rocher est mort. Oh, mais ça veut dire alors que demain on a congé? Bah, vous n'avez pas l'air trop peiné. Ça peut arriver, hein. Ah bon, pourquoi? Oh, mais que j'ai pas les clés qu'elle y traînait. Oh, bien. Oh, Madame Rocher, vous avez pas vu. Désolée. Mais vous inquiétez pas. Madame Rocher n'est pas désolée. Personne n'est désolé. Tout le monde est content. Mademoiselle Brissard, avalez votre bonheur. Mademoiselle Virginie, en quel terme étiez-vous avec votre patron? Ah, sur la défensive. Parce qu'il avait la main leste. Enfin, ceci dit, il n'y a pas le monopole, hein. Tous les hommes sont pareils, non? Oh, menteuse. Oh, c'est pas parce qu'on ne vous pense pas dans le métro qu'il faut prétendre que le métro, ça n'existe pas. D'ailleurs, mademoiselle Alice, elle m'a déjà vu me débattre au moins 10 fois. Et même qu'elle m'a donné des petits conseils. Ah oui, lesquels? Ah, mais dites-lui. Oui, je lui ai dit, ma petite, si tu te fais des avances, alors demande-lui des avances sur ton salaire. Oh, quelle honte. Bon, mais d'ailleurs, vous savez, une fois Maître Rocher, il m'a coincé dans son bureau. Et là, il m'a embrassé de force. Oh, mais d'ailleurs, mademoiselle Brissard, mais oui, vous êtes entrée? Vous avez tout vu? Mais c'était un malentendu. Maître Rocher me l'a expliqué. Oh, malentendu, oui, c'est ça. Mais alors, pourquoi avez-vous pleuré? Vous avez hurlé pendant 10 minutes dans le bureau de Maître Rocher. Et quand je suis entrée, vous me laissez... Oui, je vous en prie, continuez. Non, rien. Oh, mademoiselle Brissard, elle faisait une crise. Elle me laissait de se tuer. Mais Maître Rocher l'a calmé, vous inquiétez pas. Et c'est pour ça qu'il a offert la boîte de chocolat infecte de la cousine. Oh. Et je suis la femme la plus calomniée de tout le 16e arrondissement. Bon, puisqu'on est tous là, lequel de vous utilise la petite porte du couloir qui donne dans le bureau de Maître Rocher? Personne. On s'est parlé que Maître Rocher fait entrer et sortir certains clients, c'est tout. Lequel de vous a fait faire le double de cette clé? Le serrurier m'a tout dit. Ben oui, c'est moi, pourquoi? Pourquoi, je vous le demande? Pourquoi avez-vous fait faire ce double? Eh bien, par ordre. Et de Maître Rocher lui-même. C'est pas un secret, hein. La facture dans le livre de compte. Et que vous a-t-il dit en commandant ce double? Ah si, que c'était bête d'avoir qu'une seule clé et qu'on pouvait la perdre. Et quand elle vous fait faire ce double? Vous l'a pas dit, le serrurier? Vous devriez lui demander, hein? Mais il y a 15 jours environ. Et où est habituellement ce double? Il est sur le clou, là, à la porte de Maître Rocher. Voilà. Ici, là, je disais. Ah ben, la clé, elle n'y est plus? Mais qui a bien pu la prendre? Mais logique, l'inspecteur l'a dans sa poche. Mais vous allez vous taire, vous. Mais l'assassin, c'est elle. Non, c'est elle. C'est quoi, l'assassin? Alors, asseyez-vous. Oh, c'est bon. Chef. Oui. Oh, on a retrouvé la victime. Vous avez retrouvé le corps? Oui, mon Dieu. Elle là. Mais qu'est-ce que ça? La bonne affolée à la maison m'a dit que tu avais couru jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est que cette réunion? Qui êtes-vous, monsieur? Inspecteur Grand dans la police judiciaire. Y aurait-il bien des assassinats? Oui, monsieur. Qui? Vous? Moi?
Qui vous a raconté cette énormité? Rire, le mort, il est vivant. Suzanne,
Je me demande bien quel est votre... Mais d'ailleurs, avez-vous seulement du sang ou bien du vinaigre? Ah, petite maison, petite maison, petite maison, petite maison. Le patron, c'est parti, le maître posté avant ce soir. Oui, je vais envoyer Virginie, mais... Allez-y vous-même. Je vous ferai prendre l'air, vous êtes verte. Verte? Pourquoi verte? Parce que c'est la couleur de l'espérance. Oh, bah, il y a bien longtemps que dans cette maison. J'espère plus rien faire ça. Eh ben, c'est très bien. Ne pas espérer. C'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Écoutez-moi tous. Je vais passer l'éponge sur le regrettable bizarre incident d'hier soir. Et au premier mot, à la première incartade de l'un d'entre vous, c'est la porte qu'il prend. Sans commentaire. Et on a trop fait de commentaires. Allez, disposez. Ça ne m'amuse guère de faire le gendarme. Ah oui. Mais avec tout ce qui s'est dit hier, la discipline risque de faiblir. Oh, on a lavé beaucoup de linge sale après ma mort, paraît-il. Oh, excusez-moi, maître. Tout est de ma faute. Votre histoire est assez étrange. Incroyable. Mais je vous assure, maître, que je vous ai vu avec un poignard dans le dos, là. Ce sont vos collègues qui vous ont fait une farce. Oh oui, sans doute. Pourtant, j'aurais juré sur ma vie. Ne faut jamais jurer. Vous n'auriez pas un jumeau par hasard? Non, désolé. Oh, dommage. En effet. Vous savez, l'agent Simonet est allé faire analyser les taches du tapis. Parfait. Comme ça, vous en aurez le cœur net. Ça doit être violent. Oui. Enfin, vous ne vous obstinez plus à penser que je suis mort. Mais hier soir, vous étiez mort. Eh bien, je suis ressuscité comme Lazare. N'en doutez plus. Oui, mais je suis bien obligé. Je suis bien obligé de le constater. Hein. Oui. Mais n'empêche que j'ai trouvé des indices. Des indices de quoi? Oui. Ce matin, en arrivant à l'étude, sur la dernière marche devant la porte, j'ai vu quelque chose briller. Quelque chose? Un petit objet, regardez, une clé. Oui, faites voir. Hein? Et là, sur le porte-clé, il y a des initiales. JP. JP. Personne n'a ses initiales dans ce bureau. Bah oui, c'est ce que je me suis dit. Oh, c'est un client qui l'a perdu. Ou alors, mon voisin du dessus, mon locataire, qui fait hurler sa télévision tous les soirs. Ah oui, sans doute. Bah allez, donnez-moi cette clé, j'en parlerai autour de moi. Oh non, maître, je vous ai ennuyé comme ça, mes élucubrations, hein. J'irai moi-même porter la clé à l'inspecteur Grandin. Eh bien, vous êtes bien rancunière. J'imagine la scène. Et blablabla, et blablabla, j'ai trouvé une clé. Réponse. Portez-la au bureau des objets trouvés, espèce de bavarde. Et bon vent. Achoum! Vous savez, mademoiselle Alice, j'ai beaucoup pensé à vous ces derniers temps. Ah oui? Oui, et je pense que pour votre morale, je vais vous accorder l'augmentation que vous m'avez demandée. Ah, ça alors? Oh, merci, maître. Bon, demain, nous verrons ça avec le comptable. Pensez à vous distraire et laissez tomber cette histoire de clé. Ben oui, de quoi je me mêle? Ouais. Allez, bonsoir, mademoiselle Alice. Bonsoir, maître. Pour l'autre indice, je dois aussi laisser tomber. Quel autre indice? La deuxième trouvaille. Et ce c'est? Oh, regardez. Un bouton. Il est beau, hein, n'est-ce pas? Il est tout en acre. Oh, vraiment, j'adore la couleur. Et au milieu, là, on dirait un coquillage, non? Vous ne trouvez pas? Où avez-vous trouvé ça? Derrière le canapé de votre bureau. Étrange. Ah oui. C'est moi qui porterai vos indices à l'inspecteur, comme ça il se moquera plus de vous. Allez, donnez-moi ce bouton, cette clé. Non, non, non. Ma conscience me dit, tu es une lâche Alice, vas-y toi-même. Allez, c'est du juré. Je voulais vous rendre service. Parce que vous êtes gentil quand vous voulez, hein. Maître. Voici les lettres pour l'avocat dans la plage de la bise. Bien. Eh bien, dites donc, vous ne faites guère de progrès à la machine à écrire. Je vois là une faute d'orthographe. Ah bah donnez, je vais recommencer. Oh mais non, je corrigerai ça à la main, c'est derrière. Oh, vous avez vu ça? Oh bah depuis qu'il est mort, et il est plus vivant, plus humain. On va tant mieux, hein. Oh, écoute Virginie, je vais te demander un petit service. Qu'est-ce que c'est? Oh, assis-toi là devant ta machine. Je vais te dicter une lettre.
Une lettre anonyme. Anonyme? C'est pour qui? Pour l'inspecteur Grandin. Comme vous voudrez. Attendez. C'est bon? Non, c'est bloqué. On a changé, hein. Allez! Ouais, bah, c'est chaud! Oh. Allons-y! Alors, cher Henri. Si vous commencez comme ça, et bien tout est ça vient de quelqu'un qu'il connaît personnellement, hein. Bah oui, tu as raison. Oui. Bon alors, mais cher inspecteur. Cher, cher, en voilà bien des manières, hein. Oui, oui. Bon ben alors, vieille cloche. Cinq ta grille, bouge pas bien, mais écoute bien ceci. Il y a du nouveau dans l'affaire de la muette. Alors, tâche de lire le journal du matin à propos du fait divers intitulé « Le cadavre de l'île aux cires ». Qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai de la lire. On va raconter. Oh, tu vas voir. Regarde. Ce matin à l'aube, les agents Ballard et Fouguet ont retrouvé le corps d'un homme dans l'île aux cires, poignardé sans doute dans le dos. Il n'est pas de papier d'identité, mais le parquet enquête. Mais mademoiselle Alice, mais l'île aux cygnes, c'est à 10 minutes d'ici. Mais oui, c'est juste là. Mais alors imaginez qu'hier soir, il y a vraiment eu un type, oui. Ici, avec un poignard dans le dos. Oh. Mais alors, le temps que vous évanouissiez, le type, il se relève, et il s'en va, en titubant, et il marche dans les rues de Paris, jusqu'à la Seine, et là, de fatigue, il s'écroule et il meurt. Oh. Exactement ça. Oh, vous êtes un génie! Premier inspecteur, hein? Vous êtes un grand détective, hein? Ouais, c'est pas ce qu'il semble dire hier soir au commissariat, tu sais. Oui. Vous avez son numéro pour l'appeler? Oui, 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 tiens. Oh, moi, j'ose pas. Fais-le pour moi. Moi, je vais le faire. Moi, je préférais la lettre anonyme, hein. C'était plus franc. Plus franc. Vous avez tous ces mots, vous? Oh, je veux dire plus radical. Ça, oui. Oui, bonjour. Inspecteur Grandin? Oui. Comment? Ah, vos souhaits. Oui, c'est Virginie. Bah, la dactylo de Maître Rocher. Oui. Comment va la santé? Ah. Ah. Avez-vous essayé les ventouses? Oh, mais non, faut pas dire ça, vous avez pas crevé. La mauvaise graine, ça résiste. Oui, je vous appelle parce qu'il y a du nouveau. Mais j'ai votre grande amie, mademoiselle Alice. Elle peut aller où? Au diable. Oh, passons-moi. Allô? Un espèce de mal élevé, oui. Oh, ben oui, c'est ça, tous, tous, étrangle-toi. Oh, mais écoute bien ceci, ouvre bien tes oreilles. J'ai trois nouvelles à t'annoncer. Alors, primo, j'ai trouvé une clé marquée JP. Deuxièmement, j'ai trouvé un bouton. Et troisièmement, on a trouvé un cadavre dans l'île aux cygnes. Ah bah non, c'est pas moi qui l'ai trouvé pour une fois. Hein. C'est la police. Alors, tâche de te renseigner si ce cadavre n'a pas un bouton qui manque à ses vêtements. Ok? Et si ses initiales ne sont pas JP. Et que ça saute! Et dépêche-toi! Accours ici! Caroliri! Oh là là, j'ai fichu 42 fièvres! Oh mais alors, vous, mais quel culot! Il a dû sauter de son lit! Mais oui, moi, je suis déchaînée! Plus rien ne m'arrêtera! Ainsi, vous pensez que le cadavre que l'on a découvert dans l'île aussi est le même que celui que vous avez vu ici? Je cherche une correspondance entre les deux affaires! C'est pas possible que j'ai confondu Maître Rocher avec n'importe qui, non? Mais attendez, ça voudrait dire alors que... qu'il y aurait eu deux cadavres, en fait? Sans doute. Quoi qu'on y réfléchisse bien, cela me semble un peu abracadabra. Ah, ah bon? Oh bah j'ai du regret d'avoir appelé l'inspecteur, alors. Ah ça, l'inspecteur Grandin va être furax si vous l'avez élevé de son lit pour rien. Ah bah oui. Et maintenant que vous avez claironné partout vos découvertes, l'assassin aussi va vous guetter. Ah, me guetter? Ah bah oui, oui. Ah mais je peux donc pas me taire. Ne quittez ce bureau sous aucun prétexte. Ne sortez plus dans la rue. Ah bon? C'est la frousse! Ah, les gars! Ah, c'est vous! Bonsoir! Ah, moi, c'est Alice! Oh, j'ai aussi mon âme, qu'est-ce que je suis contente de vous voir! Et je vous ramène le tapis! Alors, sans ou encre? Oui. Je sais pas. Ah bon? Mais non!
pas voulu analyser le tapis sans un ordre officiel du commissariat. Et comme Maître Rocher n'est pas mort, eh bien, il n'y a plus l'affaire Rocher. Oh, on m'a tant pis. Oh, merci de votre dévouement. L'incident est clos. Oh, mais l'inspecteur, il doit être de bien meilleure humeur. Et alors qu'il est, il doit dormir comme un bébé. Pensez-vous, Mademoiselle Alice lui a téléphoné. Et la levée de son lit. Oh, mais nom de Dieu, pourquoi vous avez fait ça? Parce que Mademoiselle Alice a de nouveaux indices. Ah bon? Et mais qu'est-ce que c'est? Non, je raconterai personnellement tout ça à Riri. Bon, je veux dire à l'inspecteur. Hein. Parce que vous savez, moi j'ai des indices. Hein. Je suis pas folle. Une clé, un bouton et un cadavre à l'île au cygne. Hein. Tenez, regardez. Hein? La clé. Oui! C'est ma clé! Quoi? On montre que quoi? Mais c'est la clé de l'antivol du scooter que mon beau-frère m'a prêté! Mais non, mais regardez là, sur le porte-clés, les initiales JP! Hein? JP! JP! Mais Jacques Poirier! Les initiales de mon beau-frère! Oh mais non! Non, non! Oh, je ne sais pas comment vous remercier, que vous l'ayez retrouvée, cette clé! Restez avec moi! Je vous en prie, restez avec moi parce que quand l'inspecteur Grandin va arriver, s'il veut me battre, retenez-le. Inquiétude, il vous reste toujours votre deuxième découverte. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? Un bouton. Oh, mais faites-le voir. Non, vous allez me dire qu'il appartient au peignoir de votre belle-sœur. Il faut quand même que j'ai quelque chose à montrer à Riri. Hein. En tout cas, tâchez de ne pas le perdre, votre bouton. Ou alors qu'on vous le vole pas. Oh bah oui, dans les poches, c'est pas prudent. Non. Où est-ce que je pourrais bien le mettre? La plante, là, les dossiers. Oh! Dans les oubliettes. Qu'est-ce que c'est, papa? Que désirez-vous? J'attends l'inspecteur Grandin. Je ne l'ai pas convoqué, que je sache. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. La plaisanterie sur mon assassinat n'a que trop duré. Tenez-le mot pour dit, tous. Bon, eh ben moi, j'attends l'inspecteur dans l'escalier avant que l'orage n'éclate. Moi, je vais y aller. Et moi aussi. Ah non, reste avec moi. C'est pas possible. C'est pas possible que ces taches-là sur le tapis. Non, non, moi, j'y crois pas. Ah! Ah! Quelle a? Ne me touchez pas. À moi. Oh! Au secours! Ah! Il fait trop noir. Au secours! Au secours! Pas d'inquiétude. Il y a un disjoncteur. Que la lumière soit. Que la lumière mystère cette fois. On m'a agressé. Oh non, non. Si. Non, mais non, mais non. Mon agresseur est parti là dans l'escalier courir. Mais non, moi je descendais tranquillement les escaliers. Quand j'ai entendu vos cris, il n'y avait personne qui montait. Et c'est exact. Je revenais de la poste et je n'ai croisé personne. Mademoiselle Alice, vous avez encore rêvé. Cela devait se reproduire quotidiennement. Je vous proposerai amicalement de vous faire embaucher comme attraction au cirque Pindare. Oh, mais je vous assure, Maître Rocher, qu'on m'a bousculé. On m'a mis le tapis sur la tête et puis on m'a papouillé. Mon bouton. Je rends service. Papouillez mon bouton. Mais quel bouton? Je suis désolée. Je suis désolée, on m'a volé mon bouton. Mais cela demande une explication. Eh bien oui, Mademoiselle Alice avait trouvé un bouton. Oui, oui. Alors, ceci constituait une preuve que... Peut-être... Mais vous en parlez à l'inspecteur Grandin. Mais quand on nous l'appelle avec la police? Ça va, en tout cas, vu mon absence, me voilà hors d'affaires, débrouillez-vous. Ben voyons, vous auriez très bien pu écouter aux portes, comme à votre habitude, descendre rapidement l'escalier, le remonter aussi sec, et ainsi dévaliser Mademoiselle Alice. Eh bien merci, insolent. Mademoiselle Alice, avez-vous reconnu qui vous attaquait? Mais non, non, dans le noir. Alors, on m'a bousculé, on m'a mis la tête en arrière avec le tapis. Oui, mais cette main qui est dans votre... Bah une main, qu'est-ce que je sais, moi? Une main, c'est une main. Oh, mon Dieu, circule buté comme ça dans le noir. Oh, jalouse. Oh là 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 là, il va en faire l'inspecteur une colère, non. Oh mais tiens, quand on parle de ça. Ah non, vous restez là. Vas-y. Mais non. Mademoiselle Alice,
vent, récolte la tempête. La tempête. Ah, inspecteur, je descends m'acheter des cigarettes. Je vous laisse en compagnie de votre précieuse collaboratrice, mademoiselle Alice. Plaisir. Bon, allez vite, mademoiselle Alice, montrez-moi vos indices, vite, dépêchez-vous. Oh, tu vas pas être content, Riri. Vite, madame la perruche, vite. Alors, ta santé va mieux, hein? Oui, ma santé est florissante. Ah, tant mieux. J'ai un mal de tête à me cogner contre les murs, mes gencives sont enflées, ma gorge est brûlante, mon nez est une fontaine, mes yeux larmoient, mes jambes tremblent, je suis à la... Je sais, mon moral est au plus bas. Oh. Est-ce que vous êtes satisfaite? Non, et puis ce que je vais te dire va pas arranger les choses. Oh, tu veux pas un petit peu de crème de cassis? Non, parlez. Assieds-toi. Tu veux pas un petit peu de cassis? Non. Ben voilà, tout à l'heure, quelqu'un a fait sauter les plombs. Puis alors, dans l'obscurité, on m'a bousculé. Oui, on m'a poussé contre le mur. Et bien que le tapis sur la tête. Et puis mon bouton envolé. Mais enfin, mais expliquez-vous, nom de Dieu, quel bouton? Mais tu sais bien, je te l'ai dit au téléphone. J'ai trouvé une clé, puis j'ai trouvé un bouton, et j'ai lu un article dans le journal. Mais, et conclusion? Mais il ne nous reste que le journal. La clé. C'est celle de l'antivol du scooter du beau-frère de l'agent Simonin. Et le bouton? Le bouton. Oh, tu sais, je l'avais caché pourtant dans un endroit. Et caché où? Dans mon soutien-gorge. Ouais, je cherchais là quand même, hein. Ouais, faut du courage. Non, mais c'est ça. Fais de l'esprit avec mes malheurs. Oh, ben, bien sûr. J'ai de quoi être joyeux. Je n'avais pas besoin de rester dans mon lit bien chaud. Ma pneumonie va conduire à la tombe, mais ça ne fait rien, je vous félicite. On a un sale caractère, hein. J'ai un sale caractère depuis que je fréquente des gens de votre espèce qui ne font rien pour l'adoucir. C'est la deuxième fois que vous me faites venir ici pour rien. Oui, je sais. Oh, tu veux pas un petit peu de crème de cassis? Oh, non. Et l'histoire du journal, alors? Regarde. Alors, si ce mort de l'île au cygne, hein, a une correspondance avec le mien, bah, ça te prouvera bien que j'ai vu quelqu'un avec un poignard dans le dos, non? Ouais. Bah oui. Ouais. Et comment était ce bouton? Enfin bon, je suis ridicule. La dites toujours. Mais tu vois, ce bouton, il était très grand. En acre, oh, une belle couleur. Oh, et au milieu, il y avait comme une sorte de coquillage. De tout. Quoi? Il faut que je téléphone à la PJ. En tout cas, permettez-moi de vous dire que, au moment de votre agression, vous auriez dû davantage protéger votre trophée. Mais oui, mais je pensais pas qu'on en voulait à mon indice. Enfin, à quoi croyez-vous que votre agresseur en voulait? M'averti. Optimiste. Allô, la PJ? Ouais, bah, c'est grand, hein. Passez-moi Godard. Ah, Godard, ouais, c'est bon. Dis-moi, c'est bien toi qui as réceptionné le cadavre de Lilo, c'est ce midi. Mais bon, dis-moi, est-ce que le type avait une veste ou un par-dessus avec des boutons spéciaux? Mais regarde sur ton rapport! Oh, quel idiot, Godard! Quoi? Oh, ça colorait, c'est ça? Hein? Et il manque un bouton à la veste. Et alors, quel genre le bouton? Ah bah oui, c'est ça, un coquillage. Ah, J'avais raison. Mais vous allez arrêter votre java, oui? Silence. Oh. Mais j'avais raison. Excuse, c'est pas pour toi. Je parle à la bonne femme qui a découvert le bouton. Hein? Elle fait des bombes de mètres, elle croit déjà qu'on va lui filer la Légion d'honneur. Ah. Mais seulement, il y a un os ici. On l'a volé à la dame. Remarque, j'aurais dû me méfier, hier m'a déjà perdu un cadavre. Hein? Ah oui, quelqu'un veut la pister? Elle est probablement en danger de mort, la babarde. Quelqu'un doit la
chercher à la faire taire définitivement, c'est bien possible. Ah, si tu la voyais, là, elle ne danse plus. Là. Bon, je vais laisser un agent avec elle. Bon, je vais téléphoner à un collègue de la PJ pour en savoir un peu plus à propos de ce JP, là. Non, mais comme vous avez la langue pendue, je vais dans le bureau d'à côté pour téléphoner. Oh, ne bougez pas. Et si jamais vous trouvez un nouvel indice, qu'est-ce que vous faites? La boucle. Vous avez intérêt, parce que sinon, c'est pas à moi que vous raconterez la suite de cette histoire. À qui? À Saint-Pierre. Ah, oh, Saint-Pierre. Allô, Saint-Pierre. Étude de maître Rocher, j'écoute. Ah, non, 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 maître Rocher a dû s'absenter quelques instants. Oui, rappelez-le, dans 15 minutes environ. Oui. Ah, oh, elle fait peur. Bonsoir, mademoiselle Alice. Pardon, excusez-moi. Mon mari est occupé. Bonsoir, madame Rocher. Oui, il a dû s'absenter quelques instants. Oh, je passais le prendre. Nous dînons en ville ce soir. Oh, c'est gentil, ça. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, comment allez-vous depuis hier soir? Comme je peux. J'ai été traînée dans la boue. Ah, ça, oui. Mais oui, mais je n'avais qu'à tenir ma langue, hein. Voilà tout. Effectivement. Ah, mais quand on est bavarde, c'est difficile. En effet. Mais oh, finalement, tout est bien qui finit bien. Ah, oui. Hein, oui. Quoique c'est pas si fini que ça, hein. Ah bon? L'inspecteur reprend son enquête, la police est de retour. Mais je ne vous ai rien dit. On m'a demandé de me taire, alors je me tais. Ils ont trouvé quelque chose? Non, pas eux, mais moi. Et plusieurs choses. Ah, et quelle chose? Je vous le dirais bien si je pouvais, mais... Chut. Mais enfin, pourquoi me le cacher? C'est un secret, madame Rocher, entre moi... Et le quai des orfèvres. Eh bien, gardez votre secret, mademoiselle Alice. Gardez votre secret. Mais il faut bien, hein. Oui. Bon, pardonnez mon silence, madame Rocher. Vous savez, c'est assez confidentiel, vous comprenez? Je suis une carpe. Une carpe. Eh bien, quel rapport entre ce cadavre trouvé dans l'île aux cygnes et votre hallucination d'hier soir, enfin? Mais je sais pas. Enfin, je cherche. La police cherche. Eh bien, je crains qu'il n'y ait rien à trouver, hein. Oh, moi, s'il y a qu'à trouver, j'ai trouvé, hein. Deux objets. Ah, quels objets? Je vous le dirais bien si je pouvais, mais... Une clé et un bouton. Une clé, hein? Oui. Oui. Une clé marquée JP. Une clé de l'antivol, enfin, l'antivol du beau-frère de l'agent Simonin. Ça fait peur. Et un bouton qu'on m'a volé. Un bouton. On m'a volé un bouton dans mon corsage. Un bouton de votre corsage? Mais non, non, un bouton de la veste du mort. Mais enfin, mon mari n'est pas mort. Mais non, madame Rocher. Le mort de l'île aux cygnes. Oui. Celui dont je croyais que les initiales étaient JP. Mais... Mais oui, JP. Oui, mais... Moi qui croyais à nommer JP, lui qui était assassiné dans le bureau, là, puis soit allé mourir à 10 minutes près de la Seine, je sais pas de chance. Hein. Non, c'est sûr. Dieu merci, ce sont les initiales du porte-clés de la belle-sœur, oui. Mon frère, je ne sais plus, d'un oui. Petit Mona. C'est oui, ça c'est ça, c'est... Ouais, elle fait peur, hein. Oh, mais elle fait peur. Et qui a bien pu me voler ce bouton, madame Rocher? Hein? C'est pour ça que je ne raconte cette histoire à personne, comprenez? Je suis discrète. Oui, en effet. Mademoiselle Alice? Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Il y a quelque chose qui ne va pas au sujet de la clé. Mais qui ne va pas pour vous de quoi? Qu'est-ce qu'elle a votre clé? Mais, elle ressemble beaucoup à la clé du scooter, de l'antivol du scooter de mon beau-frère.
Mais aussi, ça m'étonnait qu'il y ait fait mettre ses initiales, JP, radin comme il est. Oh, madame, mon chien, mais qu'est-ce qu'elle a? Non, non, je vais rentrer chez moi. Voilà, c'est bon, je gère. J'aurai quelques questions à vous poser, madame Rocher, s'il vous plaît. Je viens d'avoir la PJ, il y a du nouveau. Avez-vous déjà entendu le nom de Julien Palestro? Comment? Avez-vous déjà entendu ce nom, madame? Non, je ne crois pas. Mais cela dit, je rencontre beaucoup de monde. Oui. Ne cherchez pas trop loin, mais bien plus près de vous. Ne cherchez pas dans vos relations. Mm-hmm. Bien non, je ne vois pas. Je ne connais pas de Julien Palestro. Bah écoutez, tant mieux. Pauvre garçon. C'est le cadavre de l'île au cygne. Oh. Figurez-vous que... Oui, je sais. Mais comment savez-vous? Ah! La perruche encore, j'ai percé! Moi? Mais j'ai rien dit! Mais non! Mademoiselle Alice m'a simplement montré le journal, j'ai fait le rapprochement, voilà tout! Le prochain cadavre, ce sera le vôtre! Et l'assassin, ce sera moi! Mais je t'assure! Qu'est-ce que vous avez encore raconté d'autre? J'ai même pas ouvert la bouche! D'abord, il y a des témoins! Ils sont d'autres actions en plus! Ah. Et même la bouche cousue, vous devez devenir ventriloque! Allez! Madame Rocher, est-ce que Monsieur Julien Palestro était votre amant? C'est ma femme. Oui. Ah. Est-ce lui que vous rencontriez chez Monsieur de Charence? Oui. L'avez-vous rencontré hier? Oui. Vous êtes-vous disputé? Mais non! D'ailleurs, nous devions nous revoir aujourd'hui. Je ne comprends pas. Ah, mais je suis innocente, hein? Mais que s'est-il passé? Ne pensez-vous pas, madame, que ce soit votre mari qui ayant appris la chose par jalousie? Mais non. D'ailleurs, mon mari savait. Depuis 2 mois, nous avions un code de vie parfaitement établi. Alors, si on admet éventuellement que le nommé Palestro a été tué ici, comment se fait-il que mademoiselle Postic l'ait confondu avec votre mari? Ben ça, je ne sais pas, ils sont tellement différents. Ah, pardon, hein. Moi, j'ai rien confondu du tout. C'est bien Maître Rocher que j'ai vu là, avec un poignard dans le dos. Et Maître Rocher est vivant. Alors je ne comprends plus. C'est ma faute à moi. Maître Rocher portait lui un costume gris. Alors que Monsieur Palestro, me dit la PJ, portait un costume bleu ciel assez voyant avec un chapeau de style italien. Alors. Oh, je l'ai vu. Oh, je m'en souviens, je l'ai vu. Ça recommence. Qu'est-ce que vous avez vu? Mais oui, Riri, j'ai vu cet homme avec son costume bleu et son gros de chapeau italien. Et où l'avez-vous vu? Bah, dans le hall de l'immeuble, l'autre soir. Mais quand? Oh, il y a 3-4 jours, il regardait les boîtes aux lettres. Oh, je lui ai demandé qu'est-ce que vous cherchez. Il m'a dit l'étude de Maître Rocher. Oh, je lui ai dit à cette heure-ci, l'étude est fermée, hein. Faut revenir demain matin. Voilà. Et oui, qu'est-ce qu'il a répondu? Ben, je m'en vais pas. Oh. Oh, si. Oh, il m'a dit merci. Donc, madame, votre amant rôdait dans l'immeuble. Il a dû y avoir une scène terrible entre lui et votre mari hier à 18h30 dans son bureau. Voilà où on est l'enquête. Or, justement, hier, votre mari avait rendez-vous avec un faux Hollandais. C'était peut-être ce Palestro. Tu brûles, Riri. Mais non, Palestro a été attiré dans un piège. Enfin, c'est dans ce sens que vous devez mener votre enquête. À présent, malheureusement, seul Maître Rocher peut nous éclaircir la situation, lui doit savoir quelque chose. Bon, il n'est pas impossible également que quelqu'un ait tué Palestro et se soit fait passer pour Maître Rocher avec un couteau dans l'eau, de se prendre dessus, pour fuir. Mais pour fuir quoi? Elle est idiote, ton idée. Non. La seule chose qui pourrait innocenter mon mari à présent, c'est que vraiment un Hollandais du nom de Van Berg lui ait donné rendez-vous ici. Ce serait pour lui un parfait alibi. Chef, il y a Maître Rocher qui a... Ah, okay. Madame Rocher, taisez-vous, s'il vous plaît. Quant à vous, mademoiselle Alice... Moi, tu vas voir, alors là, ça va être dit. Tiens, là. Moi, tu sais, bouche cousue. Oh, inspecteur, encore là. Je vous attendais. Bah, écoutez, je suis allé m'acheter des cigarettes, j'ai rencontré des amis, j'ai bavardé, si j'avais su. Oh, bonsoir chérie, tu es passé me prendre comme c'est gentil. Alors, inspecteur, quelle nouvelle? Encore un cadavre qui s'évapore?
Non, un cadavre bien réel, trouvé dans l'île aux cygnes. Un rapport avec nous? Oui, c'est possible. Mm-hmm. Avez-vous déjà entendu le nom de Julien Palestrot? Non. Mm. Ah, vous savez, est-il de nier, inutile de nier. Votre femme nous a tout dit, c'était son amant. Ah, très bien, puisque vous me le dites. Moi, je pensais que c'était mon clerc de Charence qui était son amant. Je le croyais fou d'amour pour ma femme. Enfin, tu divagues. Je m'étais trompé. Oui. Avez-vous déjà rencontré un nommé Palestrot? Inspecteur, puis-je jurer quelque chose? Jurer un inspecteur de police. Enfin, je veux dire, jurer comme au tribunal. Je vous en prie. Je jure sur l'honneur que je n'ai jamais parlé à l'amant de ma femme, Monsieur Palestrot. Êtes-vous satisfait? Ça ne m'arrange guère, je ne sais plus que vous dire. Parle-lui de Van Berg. Bon. Hier, vous aviez rendez-vous avec quelqu'un, n'est-ce pas? Exact. D'ailleurs, mademoiselle Alice est... Qu'est-ce que vous faites avec un sparadrap, vous? C'est un petit bouton. Bon. La personne qui m'avait donné rendez-vous s'appelait Van Berg. Ne pensez-vous pas que c'était Palestrot sous un faux nom? Certainement pas, certainement pas. Bah, comment pouvez-vous affirmer ce que vous êtes en train de dire? Eh bien, parce que le dénommé Van Berg voulait faire du mal à Palestrot. Donc, je n'étais pas Palestrot. Mais oui, mais enfin... Déduction logique. Enfin, la preuve. La preuve? Ben, la voilà, la preuve, inspecteur. La voilà. Monsieur Van Berg m'avait demandé un rendez-vous secret, se proposant de me dire qui était l'amant de ma femme, ceci pour la modique somme de 200 000 anciens francs. Lettre tapée à la machine, sans signature. Oui. Est-ce que ce Van Berg est venu régler son affaire? Non, je l'ai attendu en vain et puis je suis parti. Ouais. Je connais le nom de l'amant de votre femme et... donc... la machine sur laquelle a été tapée cette lettre a sérieusement besoin d'un ruban neuf. Ouais, exact. Ça tient, voici quelque chose. Voyons voir. Les lettres F et R sont peu lisibles. Mais qu'est-ce que tu fais, Riri, là? Mon travail. Là. Ah bah c'est ça. Les lettres F et R sont peu lisibles également. Cette lettre a été tapée sur cette machine à écrire. Inspecteur, voulez-vous insinuer que l'un de mes employés aurait cherché à me faire chanter? C'est possible, c'est possible. À moins que ce soit vous qui ayez tapé cette lettre pour vous créer un alibi en inventant un Van Berg imaginaire. Attention, inspecteur, c'est de la diffamation, là. Ah, je vous en prie, vous restez calme. Quand on est innocent, il faut rester calme. Vous savez, l'erreur judiciaire n'existe que très rarement. En tout cas, moi, je suis bien sûr d'avoir vu Maître Rocher avec un poignard entre les deux omoplates. On peut me tuer ou me couper la langue, je n'en démordrai pas. Voilà. Oui, c'est ça. Vous coupez la langue, voilà la bonne idée. Bon, écoutez, mademoiselle Alice, vous avez été abusée par le clair-obscur à la tombée du jour, sans lumière. Mais comment savez-vous que c'était le clair-obscur et que je venais d'éteindre les lumières, hein? Ah, mais c'était donc vous. Mais non. Mais si. Mais non. C'est qu'un jeu mon rôle pour me compromettre. Est-ce clair? C'est possible. Ouais. Enfin, qui a intérêt à tout embrouiller comme ça? Oh, moi, Riri, tu sais... Oh, vous, la ferme! Ah, la ferme! La ferme! Gros super sondage. Hein? Parce que tout est basé sur la mort de ce Palestrot, amant de votre femme. Écoutez, inspecteur, je vous ai juré que je ne l'avais jamais vu vivant. C'est satisfaisant, non? Mais si je comprends bien, ça veut dire que vous l'avez vu mort, n'est-ce pas? Oh! Restez ici! Ah non! Restez ici! Non, 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 oh, vous pas. Ah. Pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît! Oh, ma voisine Alice! Oh, ma santé, mon cœur! Oh, mais ma petite, hein! Quand on a un amant, ben, faut avoir une bonne santé! Oh! Vous me faites un chat, votre insolence, hein! J'ai les moyens, figurez-vous! Pour acheter mon silence, votre mari a augmenté mon salaire! La pauvre imbécile! Imbécile! Oh! Oh ben ça y est. Alors le notaire s'envole, Riri s'envole, le mort s'envole, mais tous les indices s'envolent, le bouton s'envole. C'est plus la muette ici, c'est Orly. Bon, moi je vais me faire un petit blanc cassis, pas bien longtemps. Ça va me faire du bien, là, c'est sûr. Alice! Alice! Monsieur Palestrot! Oh, c'est fou! Ah, oh, allons!
des révélations à nous. Hein? Mon Dieu! Oh non, c'est pas vrai! Oh! Oh, pas encore! Mon Dieu! Oh, encore non, mais je suis maudite! Allô? Allô pour les secours? Oh, oui, c'est encore Mademoiselle Postie! Oui! Oh, vous allez dire que j'abuse, hein? J'ai encore un mort à l'étude! Oh oui! Venez vite! Venez vite! Venez vite parce que j'ai peur qu'il s'envole! Oh, ouais, là, je me sens mal à but! Oh mon Dieu! Que je n'ai rien à voir avec cette histoire. La question qui se pose maintenant, c'est qui a tué ce pauvre Logan? Les flics pensent que Logan savait quelque chose et que c'est pour ça que l'assassin l'a tué. Mais qui est l'assassin? Alors ça, that's the question. Allez. Oh, mais c'est moi. Avouez. Non. Eh bien vous, avouez. Moi, la barbe. Au fait, où est Mademoiselle Alice? Ah oui, ils l'ont emmenée en début d'après-midi. À l'Institut médico-légal, pour identifier les corps de Palestro et de Logan. Oh, mais quel horrible corps fait! Oh, j'espère au moins qu'elle aura sa photo dans le journal, hein! Elle en rêve! Bonsoir! Oh, bonsoir, bonsoir madame! Alors? Oh, mais rien, toujours rien! Mais l'inspecteur va sûrement pas tarder. Attends des nouvelles de mon mari! Mais qu'est-ce qu'il en se cachant? Qu'on trouve le coupable? Bon, cet homme qui se cache sous le nom hollandais de Van Berck. Ah, ça, mystère. Mais si vous voulez mon avis, la clé de l'énigme est là. Dites-moi qui est Van Berck, je vous dirai qui a tué. Mais d'ailleurs, mademoiselle Suzanne, n'est-ce pas vous qui êtes allée en vacances en Hollande l'été dernier? Oh, si, calomniatrice. Madame Van Berck. Mademoiselle, s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'en l'absence de Maître Rocher, je suis responsable de la bonne marche de l'étude. Alors, retournez dans votre bureau et du calme. Ça va, plus rire ici. Un mot, monsieur de Charon, s'il vous plaît. Madame. Pourquoi avez-vous osé dire que vous m'aimiez? Mais parce que c'est la vérité, madame. Vous me prêtez votre appartement pour que je rencontre Julien Palestro chez vous et vous prétendez m'aimer. Quand on aime, on accepte tout. Votre générosité est suspecte. Eh bien, je préfère que ce soit moi que l'on souffre. Ça, plutôt que vous, et je crois que c'est sérieux. Ce qui signifie... Oh, excusez, mademoiselle Alice. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, c'est super. Bonsoir, ce GM très agréable, l'identification, pardonnez-moi. Vous avez parfaitement reconnu le corps de Palestro. Eh oui, madame Alias. Je crains bien que ce ne soit votre amant qui a été assassiné. Ouais. Je crains bien d'ailleurs aussi que ce ne soit Maître Rocher le coupable. Il a ensuite frappé Monsieur Logan et il a disparu introuvable. Mais non, ça c'est inimaginable, enfin. En tout cas, je ne vous félicite pas. Ni les uns ni les autres. Monsieur Logan était rentré à Paris, vous ne me l'aviez pas dit. Je l'ai dit. Pardon, moi je le savais. Ah, bah, bien sûr. Mais vous ne le disiez pas. Évidemment. Bah, tu ne l'as pas demandé? Si, je m'en souviens plusieurs fois. Oh ben non, nuance, hein. Alors, le premier jour,
Tu m'as demandé où était Monsieur Logan, et le premier jour, il était à Marseille, c'est ce que je t'ai répondu. Mais ensuite, il n'a jamais été question de savoir où était Monsieur Logan. Ben non, puisque Maître Rocher était vivant. Voilà, c'est pour ça que je t'ai pas dit qu'il m'avait téléphoné à 5h. Il vous a téléphoné, pourquoi? Pour me dire bonjour. Et puis aussi, pour me dire qu'il prenait une journée en douce. Et pour me demander si j'avais retrouvé son petit stylo en or. Un magnifique petit stylo en or que lui avait offert. Bon, et bavard que vous l'êtes. J'espère que vous lui avez vite raconté votre mélodrame. Non. Lui dire que Maître Rocher avait été ressuscité sous mon nez et que tout le quartier se payait ma tête. Non, merci. Mais bougre de mule, il fallait le lui dire. Ça l'aurait mis en éveil. En vous taisant, vous avez précipité Monsieur Legal vers sa mort. C'est affreux. Pour une fois que je me tais. Fallait le lui dire, idiote que vous êtes. Mais... Oh, Goujat, tu te rends compte ce que tu me dis? Mais tu m'as dit toi-même 100 fois la ferme. Mais la ferme pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Il fallait me faire une liste. Oh, non, ça va, ça va. J'arrive à rêver à cette affaire sans que j'aurais pu faire sans vous. Oh, ingrat que tu es, avec tout ce que je t'ai raconté pour t'aider, hein. Est-ce ma faute si Monsieur Logan m'a téléphoné pour me demander de chercher son stylo en or, hein? Moi, j'aurais dit, moi. Ah, t'as retrouvé son petit stylo en or? Oh, mon Dieu, retenez-moi, je vais la tuer. Oui, c'est ça, je trouve. Mais c'est ça. C'est toi, Riri, qui a zigouillé tout le monde pour te faire de la publicité. Oh, je l'ai tombé. Allons, du calme. Tout le monde a les nerfs à vif. Le chef. J'ai du nouveau. M'apporte un nouveau témoignage. Ah, voilà. Bien. Une preuve que Monsieur Logan, à propos de cette mystérieuse affaire, savait quelque chose et ce qui lui fut fatal. Allez. Alors, voilà. Dans la soirée d'hier, Monsieur Logan a appelé un de ses amis, un avocat, pour lui demander conseil parce qu'il était très ennuyé. Bon, il ne lui a pas donné de détails, hélas. Mais l'avocat nous précise que Monsieur Logan lui a fait part d'un rendez-vous qu'il avait à 23h chez lui avec quelqu'un de dangereux. Donc Monsieur Logan avait bien reçu quelqu'un hier soir à 23h. La conversation a-t-elle mal tourné? Mystère. En tout cas, Monsieur Logan semble être revenu au bureau, probablement décidé à parler. Et malheureusement pour lui, il s'est fait poignarder dans l'escalier. Alors je vais vous poser une question, mais vous la devinez déjà. Lequel de vous a rendu visite à Monsieur Logan à 23h? Bien. Bon, ah oui, bravo, c'est ça. Donc à cette heure-là, la concierge de l'immeuble signale qu'elle a cru voir passer une femme. Ah, brave concierge. Je lui paierai des fleurs. Alors, mesdames, laquelle? Alors, Mademoiselle Renoir, peut-être. Moi? Ben merci, hein. Parce que pour les choses vieux débris en pleine nuit, il faut une armure, hein. Il est mort, Virginie. Oui, j'ai oublié. Mademoiselle Brissard? Mais je n'ai jamais vu Monsieur Logan, je le dis. Madame Rocher? Je ne connais même pas son adresse. D'ailleurs, si je peux me permettre, puisqu'il est vaguement admis que l'assassin se soit déguisé en notaire pour effrayer Mademoiselle Alice, pourquoi ne pas imaginer aussi qu'il se soit déguisé en femme pour aller tuer Monsieur Logan? Oui. Bah, il fallait que ça me retombe dessus. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas inclure à la liste des visiteurs suspects Maître Rocher lui-même? Évidemment. Moi, ça suffit. Moi, j'en ai marre de vous voir faire des suppositions stupides. Je sais qu'il est allé chez Monsieur Logan avant-hier soir à 23h. Qui est-ce? Moi. Évidemment. Mais pourquoi avez-vous été chez Monsieur Logan? Mais pour mener mon enquête. Mais enfin, vous n'avez pas une enquête. Mais pourquoi on est en République, non? Mais l'enquête officielle, c'est moi. Eh bien, moi, je suis pour l'artisanat. Je veux vous faire coffrer pour entrave à la justice. Et sous quelle rubrique du code, hein? Mouche du cauchemar. Mais mouche toi-même. Perruche. Oh, poulet. Perruche. Poulet. Perruche.
soyons raisonnables. Mademoiselle, venez, s'il vous plaît. Et dites-moi, pourquoi êtes-vous allé chez Monsieur Logan? Bah pour lui ramener son petit silo en or. Et puis aussi, pour lui raconter tous mes malheurs. Oh, faut vous dire que Monsieur Logan, c'est un merveilleux partenaire de conversation. Il écoute d'une façon, lui. Pour ça, je le regretterai, Monsieur Logan, hein, ça c'est sûr. Eh bien, j'espère que cette fois, vous lui avez tout raconté, n'est-ce pas? Bah non. Mais pourquoi? Il m'a pas ouvert. Alors moi, j'avais traversé tout Paris. Eh bien, il m'a dit merci à travers la porte. Et de déposer son petit stylo en or dans la boîte aux lettres. Oh, ainsi, Monsieur Logan a été privé une seconde fois de vos confidences. Ça l'aurait mis en éveil et peut-être sauvé. Mais tant pis pour lui, hein. Il avait qu'à m'ouvrir, là. Mais pourquoi vous n'étiez pas ouvert? T'es pas seule. J'ai entendu chuchoter à travers la porte. Alors j'ai regardé par le trou de la serrure. Enquête oblige, hein. Et là, j'ai vu une ombre derrière lui. Vous avez pu distinguer ce visiteur? Ah non, malheureusement pas. Si j'avais su, j'aurais attendu sa sortie, hein, pour l'identifier. Et à l'heure actuelle, vous seriez la troisième victime, quick. C'est vrai. Les témoins, ça sucre. Oh, je dois éclaircir les choses car je vois poindre une idée. Oh, ben pas trop tôt, hein. Oh. Si je vous entends encore, je vous étrangle. Oh, ben, quand on me le demande gentiment, ben je me tais. Enfin, qui avait intérêt à nuire à Maître Rocher? Au moins... Oh, c'est... ça va. Mais oui, mais j'ai non. Une idée. Non. Oh, possible, ça. Donc, ce que je pense, c'est qu'au début... Notre coupable inconnu décide de nuire à Maître Rocher, de le faire chanter, de lui révéler le nom de l'amant de sa femme, Palestro. Oh, il fait le même chantage à Palestro. Coup double. Mais cependant, lui, Palestro, devine qui est le maître chanteur. C'est quelqu'un de l'étude. Alors Palestro vient rôder dans l'immeuble. Le jour du drame, il attend le maître chanteur dans l'escalier. Ils se disputent, ils se battent, et malheureusement, Palestro est tué. Que faire du corps, se dit alors l'assassin. Eh bien, grâce au double de la clé, il introduit le corps de Palestro dans le bureau de Maître Rocher par la petite porte du couloir. Et ainsi donc, quelques heures plus tard, Maître Rocher découvre horrifié le corps de l'amant de sa femme poignardé chez lui. Et il n'a pas d'alibi. Et lui, qui est innocent, il va se croire obligé de se conduire coupable. Il pense qu'il va se débarrasser très vite du corps et rentrer chez lui vers 7 heures, normalement. Alors il essaie d'ouvrir la petite porte du couloir. Mais le double de la clé reste toujours au côté de la serrure. C'est insupportable. Bon, C'est ça. C'est vrai quand même. Donc il panique, il s'affole. Mais il lui reste qu'une seule solution, le hall de l'étude. Et oui, mais malheureusement, Mademoiselle Alice est là à traîner. Alors Maître Rocher, sachant que sa standardiste s'évanouit facilement, il décide de lui faire peur. Il va s'accrocher lui-même à poignard dans le dos de son pardessus, il va faire le mort. Donc Mademoiselle Alice n'est pas folle. Ah, quand même, vous voyez. Elle a bien vu Maître Rocher ici poignardé. Voilà, hein. J'avais raison. Donc comme l'avait deviné le notaire, Mademoiselle Alice s'évanouit. Voilà. Donc alors il peut sortir tranquillement le corps de Palestro, le mettre dans le coffre de sa voiture, il va le jeter dans l'île aux cygnes. Une heure plus tard, il reparaîtra ici, bien vivant, annulant ainsi toute vraisemblance. Mais c'est compté sans Mademoiselle Alice, mais qui décide de jouer les maigres en jupon. Grâce à un bouton, une clé, elle fait rebondir l'affaire. Maître Rocher s'affole, alors il vole l'un de ses indices. Mais malheureusement, il se coupe en admettant avoir vu Palestro mort. C'est un aveu. Alors, il s'affole, il se sauve, il pense qu'on le tient pour un coupable. Hélas, lui, malheureusement, le coupable vit pour toujours. La preuve, il va frapper Monsieur Logan, qui connaissait son identité. Il avait d'abord essayé de l'acheter chez lui, c'était le rendez-vous de 23h. Et inquiet de voir revenir à l'étude, il le poignarde. Donc, Maître Rocher, innocent, coupable, à démasquer. Oh, bravo, Rémi! Oh, bravo, c'est exactement ça! Et il faut vite aller le délivrer pour le quoi? Mais oui, Maître Rocher! Mais où est-il caché? Dans ma petite chambre de bonne, là-haut. Mais chez vous! Mais où
où? En porte numéro 8, allez, c'est pas compliqué. Ainsi, vous avez caché Maître Rocher depuis hier, mais pourquoi? Mais oui, mais pourquoi, pourquoi? Parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. Maître Rocher m'avait tout raconté. Alors, je l'ai protégé avant que la police... voilà, le... Eh bien, chapeau bas, mademoiselle Alice. Oh, ainsi, inspecteur, vous êtes certain que Maître Rocher est innocent? Oui, absolument. Par contre, ce que j'ignore, c'est qui est le coupable. Mais pourquoi il a pas dit la vérité tout de suite? Mais c'est difficile à dire, la vérité. On ne vous croit jamais. Quelle cachotière, mademoiselle Alice. Hein? Dissimulation de preuves. Hein? Quelle cachotière, bravo. Eh bien oui, moi, si bavarde. Mais tu sais, bavarde quand je veux, quand ça m'arrange. Parce que méfie-toi des gens qui parlent trop. Hein? C'est souvent pour t'empêcher de réfléchir. Il est innocent, oui. J'en étais certaine. Quand je l'ai dit à la vérité tout de suite. Et oui. On va la mettre au rocher. Oh, inspecteur, me pardonnerez-vous ma disparition? Le procureur appréciera. Et l'enquête se poursuit comme toujours. J'ai été folle. Pardon, je te demande pardon. Oh, j'ai bien des torts envers toi. Maître Rocher m'a raconté vos déductions. Ah. C'est tout à fait ça, mademoiselle. Voilà. Oui. Quelqu'un a tué Palestro et l'a caché dans mon bureau. Alors, avec le scandale qui aurait fait nuire à mes affaires, j'ai perdu la tête. Me pardonnerez-vous de vous avoir fait peur, mademoiselle Alice? Oh, mais oui, Maître Rocher, je vous pardonne. Ça fera un beau souvenir. Et de vous avoir volé le bouton. Allez, vous voyez, j'avais bien reconnu une belle dame, je vous l'avais dit. Oh, et vive la police judiciaire! Quand elle est contente, elle dit n'importe quoi. Vous êtes un génie, Riri. Mais non, mais c'est qui a tué Monsieur Palestro? Et Monsieur Logan aussi. Et pourquoi? Oui. Pour de plus amples informations, vous référez à votre inspecteur habituel. Hein? Oui, bon, moi je vais faire mon rapport et hop, vogue la galère. Vous en êtes bien protégé. Vous entendez pas, mademoiselle Alice? Ne vous inquiétez pas, j'ai une surprise. Oh, oui, une surprise pour vous. Je suis sur une nouvelle piste. Oh, ah, pour le moment. Regardez mon bureau, c'est un vrai capharnaüm. Voilà, il faut j'en ai au moins pour 3 heures à tout ranger, ça c'est sûr. Oh, mais je fermerai l'étude. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir à tous. Vous serez convoqués dans quelques jours au commissariat pour faire vos dépositions. En attendant, rentrez chez vous. Bon, on va à demain. Savez-vous que je vous donne quelque chose, maître? Oui, mademoiselle Suzanne, de votre travail, de votre amitié. Mais tout ça, vous êtes acquis. Non. Vous pleurez quand je vous dis enfin un mot gentil. Oui, je suis une grande sentimentale, ça m'a toujours fait. Bon, bah, bonne soirée alors. Hein. Bon, j'ai le cinéma ce soir, je pense, me faire un petit policier. Ah, quelle bonne idée. Ça me changera. Bonne séance. Merci, bonne soirée. Bonsoir, à bien. Juste un mot, maître. Cette aventure aussi tragique que grotesque ne m'a pas donné l'occasion de me montrer très reluisant. Et pour une raison simple, je suis amoureux de votre femme. Ah, soyez sans crainte, je n'ai jamais été payé en retour. Cependant, je me dois de vous adresser ma démission. Je la refuse. Pas vous. Vous êtes comme vous êtes, et votre travail n'en a jamais souffert. Demain, 8h, je compte sur vous. Bonsoir. Bonsoir, maître. Mademoiselle Alice. Oui, bonsoir. Mes hommages, madame. Je ne suis pas très contente que tu gardes ce garçon à son service. Hein. Il m'a fait faire des bêtises que je regrette. Mais maintenant, il n'est plus dangereux. Je l'ai désamorcé. Tu es très fort. Toujours. Pas toujours. Clara, veux-tu que nous fassions ce voyage en Égypte dont nous parlons tant? Depuis si longtemps et t'en mettons sans cesse. Un deuxième voyage de noces? Oui. On part à zéro? Oui. D'accord, oui. Allez, allez, allons-y, rentrer à la maison. Oui. Au revoir, mademoiselle Alice. Au revoir, mademoiselle Alice. Et n'oubliez pas les cartes postales, hein. Oh, mais on vous en enverra. La carte. Oui. Au revoir. Et mon augmentation. Eh ben, vous ne perdez pas la tête. Moi? Jamais. Allez.
envoie-la une idée. L'agent Simonin t'a bien fait passer par la petite porte, puis l'a refermé ensuite. Oui, elle est partie avec la voiture de patrouille. Parfait. Alors, tout le monde croit que je suis restée seule ici. Oh, ça va barder. J'exige une explication. Votre petit chuchotis, là, dans l'oreille. Mais j'ai déclenché l'affaire. J'ai mené l'enquête. J'ai défendu l'innocent. J'arrêterai le coupable. Tiens, et comment? Il va me tomber tout cuit dans les pattes. J'ai claironné, je suis sur une nouvelle piste. L'assassin va se croire obligé de me faire subir le même sort que ce pauvre monsieur Logan. Tu sais, avec un peu de chance, dans 5 minutes, l'assassin remonte pour me zigouiller. Non, mais ma petite fille, je peux pas te laisser courir ce risque, enfin. Quand tu m'appelles Lulu, là, que tu me tutoies. Oui, mais bon. Oh, tu te rappelles nos bas du 14 juillet. Oui, oui, bon. Voilà, on verra ça plus tard, oui, c'est ça. Est-ce que tu as un soupçon? Plusieurs. Un homme, une femme? Bon, tu sais, il y a des hommes lâches, mais des femmes viriles, capables de vous planter un coup de poignard dans le dos. Moi, je penche plutôt pour Madame Rocher. Elle fait accuser la mort de son mari par son amant, et la voici ainsi libre et riche. La vie de château. Crois-tu qu'elle va remonter ici sous un prétexte quelconque? Mais oui, Riri, c'est vital pour lui. L'assassin doit me serrer le kiki. Et que vas-tu faire? La perruche, comme toujours. Ouais, je vais improviser. Et moi? Oh, toi. Toi, bah, tu vas me servir de témoin. De protecteur. Bien sûr. Bon, je vais me cacher dans un des bureaux d'à côté. Mais non, naïf. Oh, naïf que tu es. L'assassin va vérifier si le tu es vide d'abord. Non. Toi, tu vas te cacher là. Hein? Dans mon petit cagibi. Non, mais il est trop petit ton cagibi. Mais non, c'est toi qui es trop gros. On n'a pas idée d'avoir un estomac par accident. C'est trop même. Allez, la fonte de ta gare, je vais exploser. Regarde, ton compteur, je vais m'électrocuter. Mais non. Allez, rentre. C'est bon. Allez. Attention, bouteille, ne me casse pas. Je m'en souviendrai de cette histoire. Allez. Bon, ça va, je suis coincé. N'éternue pas pendant que je suis en plein travail, d'accord? Ne mange pas tous mes bonbons. Ça va dans l'orage et les éclairs. Oh mon Dieu. C'est pas un temps à mettre les assassins pour voir ce que ça soit. Mademoiselle Alice, vous êtes encore là? Oui. L'orage m'a surpris, je suis venu récupérer mon imperméable. Non, j'ai dû le laisser chez les filles. Non plus, pas d'imperméable. Vous n'auriez pas vu mon imperméable? Bah non. J'ai probablement laissé chez Maître Rocher. Oui. Oh, c'est le rhume avec un temps pareil. Non, pas d'imperméable. Personne. Vous n'auriez pas un parapluie à me prêter? Oh oui, un tout petit rouge avec des cœurs. Avec des cœurs, alors non. Quel temps? Ah oui, alors? Adapté aux circonstances. Oh oui, alors? Mais alors, quel drame! Ah oui, alors? L'inspecteur Grandin est bien retourné au commissariat. Oh oui, alors, mais depuis longtemps! Celui-là, quel idiot! En effet. Bon, j'espère qu'on ne le reverra plus, hein. Chaque fois que j'ai dit quelque chose d'intelligent, mais ils m'ont envoyé balader. Oh, pour une fois que j'ai trouvé quelque chose de très important, mais je ne le dirai pas, tant pis pour lui. J'irai dès demain matin au quai des Orfèvres. Vous avez parfaitement raison, bien fait pour lui. Mais au fait, quelle chose? Quelle chose quoi? Ah, quel élément nouveau avez-vous découvert sur l'enquête? Vous ne le répéterez pas, hein? Non. Eh bien, vous savez, j'ai beaucoup discuté l'autre soir avec M. Palestro. Oui. Vous le connaissez, M. Palestro? Bien
Je ne l'ai jamais vu, quelle question. Oh, un gentil jeune homme, hein, malgré sa cicatrice. Sa cicatrice? Une cicatrice en travers du visage, madame, de là à là. Oh, affreux. Mais mademoiselle Alice, je vous conseille de vous taire. Vous faites erreur et votre témoignage ne vaudra rien. Vous vous trompez de personne. Balestro n'a pas la moindre cicatrice au milieu du visage. Mais comment pouvez-vous le savoir? Mais... vous prétendez ne l'avoir jamais vu, hein? Vous êtes tombé dans le piège. C'est vous. C'est vous l'assassin. Ah oui, Balestro n'a jamais eu de cicatrice. Oh mon Dieu. Mais vous avez parfaitement raison, très chère et très astucieuse Alice. Oh non. Voyez-vous, tout a commencé le jour où j'ai présenté mon ami Balestro à Madame Rocher. Ces deux-là, j'ai tout de suite su qu'ils se plairaient. Pour faciliter leur liaison, je leur ai même prêté mon appartement. De sorte que je faisais chanter Balestro. Avec le temps, mon stratagème s'est amélioré. J'allais vendre son nom contre de l'argent à Maître Rocher lorsque cet imbécile de Balestro a voulu faire le malin et m'a attaqué dans l'escalier. Je l'ai regardé. J'ai offert son corps à mon cher patron, d'une pierre de coups. Plus d'amant, plus de notaire. Un peu de gringue à la petite dame et à moi la direction d'études. Seulement voilà, à cause de vous, le vieux s'en est tiré avec une farce macabre. Ce qui n'a pas été le cas, hélas, de ce pauvre Logan qui m'avait vu rédiger des lettres anonymes et qui ne voulait pas collaborer. Tant pis pour lui. Alors oui, cher bavarde, Balestro et Logan, c'est moi qui les ai butés. Mais quand est-ce que vous allez arrêter vos crimes? Mais tout de suite après, maître, occupez-vous, hein? Vous, très cher, tout de suite après. Vous n'allez quand même pas m'étrangler. Oh non. Oh. Alice, vous avez la langue trop pendue et ça vous a perdu. Je regrette vivement d'en arriver là, mais vous en savez trop, pour être sur cette terre. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle pour vous. L'inspecteur Grandin a tout entendu. Sœur Iri. Impossible. Oh, t'as poussé, mais on ne peut pas sortir. Tu ne m'échapperas pas. Enlève-moi en l'air, Steve. Je t'ai dit, il m'en l'air. Ah là là. Heureusement, je l'ai vu remonter. J'ai trouvé que c'était bizarre. Les mains en l'air. Je trouvais que c'était bizarre. Comme j'avais gardé la petite clé, eh bien moi, je suis passée par le bureau de Maître Rocher et j'ai tout entendu derrière la porte. Oh, merci, agent Simonet. J'aurai ta peau, morue. J'aurai ta peau. Oh. Morue. Calme-toi. Allez, ouvre ton prison! Allez, j'ai gagné! La morue, elle a gagné! Oh, je l'ai eu, mon assassin! Je l'ai eu, je l'ai eu! Oh, bah ça, après ça, il faut le repos du guerrier, je rentre chez moi. Oh, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Oh, Riri, mon Riri, mon Riri! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Oh, dans quel état tu es? Oh, mon Dieu, mon Dieu! Oh, mon Dieu, c'est pas en placard, ça va? Oh, mon Dieu, ça t'aura fait un peu maigrir, hein? J'ai trouvé les mains sur moi! Riri! Je vais ici, tu m'as sauvé la vie! Ah, tu vois, t'auras pu honte de dire qu'on est des copains d'enfance, hein? Oh, oh. Mais tu vois, j'espère qu'après ça, ils vont te nommer commissaire. Oui, au moins. Oh, tu le mérites, hein? C'est ta femme qui va être fière. Ma petite Billy, il faut que j'avoue quelque chose. Quoi? J'ai jamais été marié. Bon? Pourquoi tu m'as dit ça alors? Bah pour me vanter, parce que tu sais, célibataire à mon âge. Dis donc, mais alors ça change tout. Oh, ah, tu te souviens que le dernier bal qu'on a fait ensemble le 14 juillet, tu m'as demandé en mariage. Hein? Oui. Quoi? Mais oui, tu m'as demandé ma main, je m'en souviens, non, moi. Non. Oh, je m'en souviens très très bien. Téléphone. Allô? Oh, c'est dans le jeu, c'est encore toi! Oh,
Georges, cette journée des choses à te raconter, mon vieux. Oh, tout ce qui s'est passé, mon vieux. Écoute, d'abord, je quitte l'étude de maître Rocher, oui. Et je crée une agence de détective privé. Je mène toutes les enquêtes avec l'inspecteur Grandin. Il vient de me demander en mariage. Mais j'ai dit oui. Tu veux bien mon témoin? La robe? Oh non, pas blanche, c'est celui-ci. Non, rose en organdi. Et bien, je vois bien une grande Catherine avec des fleurs et des oiseaux. Oh, le repas? Oh, bah pour le repas, il y aura du poulet. Oh, j'adore le poulet! Oh. C'était un 14 juillet, quelques lampions tremblant sur un fil, faisaient briller solitaire et discret un petit bal au milieu de la ville.
Allez, dis-moi, Gigi. Et donc la perruche Astrid de Bellanet. Se quitte. Déjà, merci, vous avez été un public vraiment formidable. Alors là, franchement, merci à vous. Merci infiniment. Un grand merci déjà à Lucie qui nous a rejoint un peu tardivement au mois de septembre, qui a pris le rôle à toute vitesse, tout en combinant la fac, les études, etc., en faisant beaucoup d'allers-retours. Merci à toi, Lucie. Régis Wagner, qui est le patron de la troupe Antigrone de Deuil-la-Barre, qui lui aussi nous a rejoint au mois de septembre. Merci, non seulement tu as été adorable, agréable, très professionnel, merci infiniment Régis. Régis va bientôt jouer avec sa troupe dans ce théâtre, mais je vais lui laisser la parole pour qu'il nous en parle. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre accueil. Je me suis régalé. Hier, je vous disais que vous manquiez déjà. Aujourd'hui, vous me manquez. Oh. Vous m'avez offert plein de petites pépites que je vais précieusement garder dans mon coffre-fort intérieur. Vous avez été super indulgent et je vous aime vraiment énormément. Ensuite, pour ce qui est de notre pièce, nous commencerons le 26 octobre avec la pièce... Le 26 mars, avec une pièce qui s'appelle Marie-Octobre. Le hasard du calendrier a fait que nous avons aussi choisi une histoire policière, mais autant vous l'avez prise en lumière, en rire et en joie, et nous avons choisi d'en faire un polar très très noir. Donc voilà, c'est un peu autre chose, mais voilà. Et on aimerait bien avoir une salle aussi belle que celle-là. Voilà. Je voudrais remercier SMS Artiste qui est venu, qui a la gentillesse de venir nous filmer aujourd'hui. Merci Sylvie, merci Francky, merci Paco. Caméra de notre vie. Alors, vraiment, c'était une première. Merci infiniment. Bien sûr, tous les commerçants des Envilles qui lui font beaucoup de publicité. Je crois que Hélène Bécoiffure est dans la salle. Elle est là, Hélène? Ah, elle est là, Hélène. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien sûr, la ville des Envilles qui nous soutient toujours en termes de communication. Tous les bénévoles de l'Union familiale. Et puis, bah, vous tous qui nous aidez à retrouver le bonheur d'être sur scène après 2 ans de confinement. Merci de soutenir le spectacle vivant. C'est indispensable pour des artistes, les vrais comme les amateurs comme nous, d'avoir un public aussi chaleureux. Protégez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt, j'espère, dans ce théâtre. Merci.